Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Merci, merci, merci. C'est à la fin du bal qu'on paye les artistes, normalement, Yeka. Bienvenue pour un nouvel après-midi SEO. Écoutez, je crois qu'on va s'appeler... On peut appeler ça l'après-SEO. Je me disais, ça pourrait être sympa d'appeler ça l'après-SEO. Hein. Il me semble qu'on est plutôt dans l'après-SEO. Bonjour Wazweb, qui voilà. Était là avant même que le stream commence. Le truc. Sébastien, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Ouais. Alors là, tu vas être coffré pour mangeage de choucroute prohibé, hein, mon cher Yeka. Salut à toi, Yeka. Ah. Bonjour Mickaël Turcan. Bonjour, salut les SEO. Nous avons Gabigo, Triple ATV, Sauvet qui sont sur Twitch. Bienvenue sur Twitch. Et je n'ai pas de chat sur YouTube. Je vais faire un refresh en espérant que je ne pète pas tout. C'est Bestel, il a tout pété. Eh oui, il y a bien du chat sur YouTube. On a Eric Bertrand, bonjour à toi, je ne te connais pas. Nous avons Control 02, je ne te connais pas non plus, bienvenue. Et nous avons Dimitri, salut à toi. Eh bien, pour ceux qui veulent que je leur dise bonjour, si vous avez juste à chatter. On a Olivier ODE59 sur Twitch, Globum qui vient d'arriver. Bienvenue les chers amis, écoutez, on va se rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière. Clément Pessot est venu nous donner un gros cours sur Discover et Google News. Voilà, je pense que c'est encore une fois une vidéo référence. Merci à toi Clément si tu nous regardes, et puis même si tu nous regardes en replay, eh ben écoute, merci à toi, un grand merci. Donc voilà, je vous envoie sur le replay YouTube, vous avez encore certainement accès au replay Twitch pour ceux qui préfèrent Twitch. Aujourd'hui, on vous propose avec Emric de découvrir ces tips and tricks. Donc l'idée, hein, ça va être de faire un petit peu en mode atelier que Emric nous présente ses différentes techniques de SEO qui lui permettent de gagner énormément de temps tout au long de l'année. Je suis impatient, je vous l'avoue. Yeka, je propose que tu appelles ça apéro SEO parce que de toute façon pour les SEO, il n'y a pas d'heure pour l'apéro. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est quand on se réunit, en général, le plus tôt c'est le mieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour les news, j'ai été accepté sur LinkedIn pour faire du stream. Je n'ai pas réussi à connecter avec... mon serveur de Restream qui est en Nginx, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a certainement une restriction, donc apparemment il faut demander une nouvelle autorisation, en plus de l'autorisation, il faut demander une autorisation, ils sont très forts chez LinkedIn quand même, pour pouvoir être diffuseur. Officiel, tout comme certainement les plateformes de Restream comme Restream.io, des choses comme ça. Après, moi, je ne veux pas payer Restream.io, c'est pas du tout l'objectif, je ne gagne rien avec cette chaîne, je ne vais pas aller payer 50 balles par mois non plus pour faire du Restream.io. Et je m'en sors très très bien avec mon serveur Nginx. En fait, avec ma connexion en bois, je sors un seul flux de ma maison. Et puis derrière, c'est mon serveur dédié qui s'occupe de faire le dispatch tous les clients sur lesquels vous pouvez regarder cette chaîne. Donc voilà, on verra. Je vous tiendrai au courant par rapport à LinkedIn. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir une audience LinkedIn. Dans les news de la semaine, j'ai retenu SEO Roundtable. Qui nous push l'info comme quoi il y a un nouvel outil dans le Merchant Center. Alors ça, c'est un outil qui traîne une dette technique juste monstrueuse depuis je sais pas combien d'années. Voilà, ils essaient de rattraper un petit peu avec des bouts de ficelle et du scotch, les mecs. Mais ils ont quand même fait un outil Competitive Visibility qui va permettre de vérifier justement les niveaux de compétition qu'il peut y avoir sur les différents produits, ce qui est assez intéressant puisque c'est un rapport qu'on n'avait absolument pas du tout niveau dashboard Google Ads. Donc voilà, je vous laisse aller voir sur SEO Roundtable. Ah ben, quel accent magnifique.
Babar est toujours inarrêtable. Sylvain Perronnet a relayé une info sur le blog Babar, l'API Babar, pour croiser les mots-clés de deux sous-domaines. Il livre un script en Python. Voilà, pour ceux qui veulent aller s'amuser avec un petit peu de Python, vous avez un script déjà tout fait. Bonjour mon petit Benoît, on a Benoît Chevillot qui vient d'arriver. Salut à toi. Je n'ai pas vu Jérôme Pasquelin sur YouTube, je n'ai pas vu Ratana, Ruben Xella, Omni Réseau, David Bardi, ben bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien. Michael Turcan qui dit Benoît, Benoît. Eh ouais, attends, hein. C'est une star le Ben. Voilà, donc je vous laisse aller voir sur le blog Babar. De toute façon, vous aurez régulièrement, très régulièrement, de plus en plus régulièrement, des news par rapport à Babar qui évolue très vite et très bien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 16 décembre, je vous rappelle pour la dernière fois, je pense, ah non, peut-être pas, non, pour l'avant-dernière fois, que vous pouvez assister au Wheel of Speed. Alors bon, c'est sûr que les conditions sont un petit peu techniques. Je ne sais même pas si ça a été maintenu. Aymeric, tu valides? Ça a été maintenu ou pas? J'ai pas eu plus d'infos pour le moment, mais j'ai pas eu de retour, mais a priori, oui. Ok. J'en sais pas plus que toi. Donc Aymeric sera présent si l'événement se déroule comme il se doit. Maintenu pour le moment, Michael Turcan nous précise. Ben écoutez, on va voir hein, après les news. Ça va vite. Par rapport au Black and White SEO, troisième édition, février 2022, réservez vos places. Je n'ai pas de news par rapport au nombre d'inscrits. Si vous voulez rester connecté avec la chaîne Tricaya Live, l'ambiance du Tricaya Live, enfin non, il n'y a pas autant d'ambiance que dans le Tricaya Live sur le Discord, je ne vais pas exagérer non plus. Vous pouvez vous inscrire sur le Discord, c'est gratuit, tout le monde est accepté. Évidemment, tout relou sera banni. Ce n'est encore pas arrivé. Donc merci, merci de cette audience qui est bienveillante et très agréable et qui participe beaucoup dans le chat. Spammez-moi ces chats, bordel de merde. Tricaya.fr/Discord pour ceux qui veulent le lien qui leur permettra de se connecter à Discord. Non, les vieux cons, je l'ai enlevé. Yeka, il est trop long, il est trop chiant, faut que je le réduise. Si vous voulez rester informé, vous cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche si vous êtes fan de YouTube et vous cliquez sur follow la chaîne, enfin sur follow Ah! dans Twitch si vous êtes fan de Twitch. Et puis si vous êtes fan des deux, ben cliquez partout. Voilà, faites votre cliqueur fou et ça se passera bien. J'ai un nouveau créneau pour la formation atelier structure SEO avancée. Ça se déroulera le jeudi 27 janvier 2022. Donc si vous êtes intéressé, il reste deux places. Il y a déjà deux places qui sont prises. 690 euros hors taxes la journée et c'est 4 personnes maximum pour un maximum d'échanges. L'idée, hein, c'est que vous venez avec vos projets, donc un, deux, trois projets chacun. On regarde rapidement, on prend connaissance des projets de chacun pendant qu'on est en train de se présenter et de boire le café en arrivant le matin. Et puis, je lance les crawls. Donc, c'est pareil, je vous montre aussi comment je lance les crawls sur Cocon SE et sur Screaming Frog. Et puis, derrière, eh bien, on analyse tous vos projets. Alors, pas forcément dans le détail, l'idée, hein, c'est d'avoir pour moi des points de rattachement concrets pour chacun. Qui vont permettre d'illustrer et d'enrichir les aspects théoriques et techniques que j'apporte tout au long de la journée. Et voilà, hein, l'objectif principal de cet atelier, c'est vraiment que vous sortiez avec un plus métier. C'est pas de vous bourrer de plein d'informations, que vous ayez rien à en faire. Non, au contraire, c'est que vous sortiez vraiment avec une XP métier supplémentaire. Ben écoute, salut mon petit Ben, il y a Benoît qui te fait des bisous, Aymeric. Ah, salut. On a Mathieu Keramoal, bonjour à toi, Julien Gourdon, Wided Fehi, bien écoutez, pardon, c'est Fetni, j'ai des yeux pourris, je suis désolé si j'ai écorché ton nom, Wided. Bah écoutez, je pense que voilà, bon, juste pour la petite histoire pour la formation maillage interne, si vous voulez vous inscrire, vous allez sur tricaya.fr/formation-maillage/. Vous avez un formulaire qui va vous permettre d'inscrire votre mail et comme ça vous serez informé des nouvelles sessions qui vont se dérouler tout au long de l'année 2022.
Emeric, je crois que c'est à toi. Toc, 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 y a quelqu'un? Yes, salut Fred. Bonjour Emeric. Salut tout le monde et mes deux petits collègues Mathieu et Julien, les deux derniers. Comment ça va? Attends, les... Ah oui, sur YouTube. Ouais, je vois, bah, j'ai ouvert les deux chats, alors j'essaie de switcher entre les deux. Non, parce que sur Twitch, il y a Dimitri qui fait son crevard. Il veut nous envoyer son lien d'affil. Dimitri, t'as pas un bon de réduction sur tes liens d'affil? Non, c'est une private joke parce que Dimitri est tout le temps en train de demander des bons de réduction sur tout ce qu'on lui propose. Voilà. Bon, bah, ça me fait bien plaisir de t'avoir ici, Emeric. Ça fait un petit moment que tu es dans la liste et puis que voilà, on chatte, on essaie de trouver un moment. On a même presque failli pas le trouver. Au final, tu as même réussi à C'est vrai, décaler c'était un chaud. rendez-vous client qui s'était collé au dernier moment dans ton agenda. C'était un peu chaud, j'avoue. Mais tu es là, c'est le principal. Donc, Emeric, toi, tu es un SEO averti, confirmé, tout ce qu'on veut. T'es passé dans déjà plusieurs agences, dont SEO Hackers. Et Yes. cette fois-ci, tu es chez Havas. Avast Market, ouais. C'est l'entité SEO, SIA de Davas, voilà. Et donc, Ok. quinzaine à faire du SEO. Ok. Ce qui fait quand même déjà un beau panel, hein. Et puis, Donc toi, tu as un Raisonneo avant profil... aussi. Ouais, Raisonneo avant, tout à fait. Ouais. Donc toi, ça fait clairement plus de 10 ans que tu fais du SEO. Je pense que tu as passé à peu près ta vie les mains dans le web. Un peu, ouais. Tu es un SEO, je dirais plutôt profil technique, voire même très technique. Et donc, ben voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, bah, je pense qu'on est bon. Après, j'espère que je ne vais pas partir dans tous les sens parce que j'ai plein de choses à dire, mais tu seras là pour me cadrer si je pars en live. On part toujours dans tous les sens, t'inquiète. Et c'est marrant parce que les fois où j'ai l'impression où c'est parti encore plus dans tous les sens, les gens me disent « Ah oh ben non, ça va. Ah bon On arrive à suivre. ?» Mais en fait, le truc, c'est que moi, il faut que je suive la personne qui parle, il faut que je suive les deux chats, et puis que j'essaye de faire coller les briques avec tout ça, avec un seul petit cerveau. Donc, c'est pas toujours évident. Chaud, chaud. J'ai plus l'impression que c'est le bordel que certains qui regardent. C'est normal. Emeric, toi, t'es basé sur Paris, hein, si je ne m'abuse. Yes, j'habite dans les Yvelines et je suis à Paris, carrément. Ouais. Je vais quand même aux événements à Lyon, Tu vas quand même, oui, bah, enfin, en même temps. notamment sur les péniches qui démarrent pas, parce qu'ils restent à quai, trop de vent. Avec une péniche qui se détache quand même. Le SEO Campus à Lyon, hein, pour la petite anecdote, on devait aller faire une croisière sur le bateau. Au final, ça a été annulé. Enfin, le bateau était à quai. Hein, on a quand même pu boire l'apéro sur le bateau et manger sur le bateau. Mais pas du tout se déplacer. Il y avait 80 km/h de vent. Et pendant qu'on buvait l'apéro, il y a une péniche qui s'est détachée. Et il n'y avait personne dedans. Et c'était l'animation de la soirée. Bon, ça va. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu plus de problèmes que ça. Clair. voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. On peut s'en aller maintenant. Allez, on commence. Tu veux que je présente ton écran, Emeric? On peut, hein. Ce sera Allez. peut-être mal. Eh ben, alors, attends, il faut que je fasse ça, J'ai alors. essayé de switcher entre les slides et les 10 milliards de fenêtres que j'ai ouvertes. Ah ouais, carrément 10 milliards. Oh là là. Alors, je suis pas un. Comme certains qui ouvrent plein d'onglets sur le même navigateur, moi j'arrive pas trop à m'y retrouver, donc j'ai jamais beaucoup d'onglets, mais j'ai plutôt beaucoup de fenêtres de plein d'applications différentes. D'accord, bah moi j'ai plein d'onglets sur plein de navigateurs. Voilà. On Je voit ton vois plus ce qu'il y a écran. écrit dessus. Eh ben nickel, eh ben c'est parti. L'idée c'était vraiment de vous montrer un petit peu les outils que j'utilise et puis de vous faire quelques retours d'expérience sur des éléments que j'ai pu mettre en place, que ce soit sur Excel pour faire des plans de redirection et mieux suivre mes migrations SEO. Et donc, il y a certainement des choses que vous connaissez, mais j'espère que je vais vous montrer des choses que vous ne connaissez pas, ou alors je vais vous rappeler des choses que vous avez probablement oubliées,
et notamment sur Google Sheets, puisque j'ai prévu d'y passer un petit peu de temps. On va voir pas mal de trucs sur Google Sheets. J'adore ce... J'ai jamais fait de conf sur Google Sheets. Je me suis toujours dit que j'en ferais une. Et ben là, c'est l'occasion de vous montrer un peu des trucs de fou qu'on peut faire avec et vous partager des petits links. Ouais, je pense que tu vas, enfin, te connaissant, suivez bien parce qu'il va y avoir pas mal de hacks de productivité. Et j'attends ça avec impatience. Vas-y, Emery. Et ouais, et j'ai même fait un petit plan pour pas me perdre, pour vous montrer un peu tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va voir cet après-midi, et notamment sur les outils. Alors, je vais vous montrer mes principaux outils que j'utilise. Alors, bien évidemment, un Screaming Frog. Je pense qu'on aura l'occasion, Fred, de faire une petite démo au moment où on va récupérer le fil d'Ariane d'un site. Ouais, carrément, mais surtout que tu t'avais suivi ce que j'avais fait, donc je pense que tu as des choses et tu voulais rajouter des choses, donc je pense que tu vas Oui, nous d'ailleurs, raconter des c'était très choses bien intéressantes. ton live que tu avais fait sur Screaming Frog. Hein, pour ceux qui avaient raté, Fred avait fait un truc top. Je crois que c'était il y a 2 semaines. Trois. Trois. Oh là, Ouais. trop vite. Ouais, ça Ça passe passe vite, trop hein. vite. un outil que j'utilise, alors c'est sur PC. Hein, je suis sur PC. Il y en a certainement qui sont sur Mac. J'utilise tous les jours, c'est Notepad++. Notepad++, vous connaissez. Peut-être ou peut-être pas, mais je vous recommande vivement de l'utiliser. Je l'utilise au quotidien pour faire tout un tas de choses et notamment pour la gestion des expressions régulières. Et c'est vrai que quand on a une liste d'URL comme ça, et ben pour les manipuler, c'est hyper simple. Je m'en sers notamment quand j'ai des URL à recomposer ou à décomposer ou des URL qui changent. Et ben justement, je remplace des petits bouts de caractères. Et puis il y a un mode qui est hyper chouette dans Notepad++, c'est le mode tableau. Je sais pas si tu utilises, tu connais Fred le mode tableau, colonne, le mode tableau. En gros, on a Non. la touche Alt. Et ben Ah on peut oui. sélectionner les trucs comme ça. Oui, bah tous les éditeurs de code bien faits le permettent. Ouais, c'est top. Et du coup, parfois, quand je suis dans Excel et que ça m'embête de faire une fonction Excel juste pour modifier un bout de code, bah, je vais là-dedans et puis je fais comme quand j'étais petit pour faire 4 lignes à la fois quand j'avais des punitions. Bah, là, j'écris sur plusieurs lignes, HTTP au lieu de HTTPS. Et donc, c'est assez pratique. Mais c'est surtout au niveau de la manipulation des expressions régulières. Alors, je ne sais pas si les gens qui sont avec nous sont familiers avec les expressions régulières. Celui qui me dit oui, je le bute. J'ai peur de rentrer tout de suite dans les regex, mais on verra. Et il y a On a Sipaï qui nous dit pour ceux qui sont sur Mac, Sublime Text, ouais, je suis d'accord. Même pour ceux qui sont sur Windows, hein, d'ailleurs, Sublime fonctionne et c'est un éditeur qui marche plutôt bien, qui est en fond noir. Ah oui, je crois que j'ai déjà vu sur des écrans de collègues à l'époque. Sinon, il y a VS Code, hein. VS Code, la solution open source gratuite de chez Microsoft qui marche très 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 bien. Et puis, il y a des possibilités. Alors là, je ne vais pas rentrer tout dans Notepad++, hein, c'était vraiment pour faire l'intro, mais c'est vrai on peut créer des macros donc, pour des tâches répétitives, notamment quand on a toujours la même tâche à effectuer. Alors parfois, ça m'arrive de manipuler des URL pour en extraire toutes les combinaisons de paramètres d'URL qui peuvent exister. Donc je fais des chercher remplacer avec des regex et plutôt que refaire 3 fois. Les mêmes manips, bah, j'enregistre ici, macro, start recording, je fais mes petites manipulations, et puis après, je peux leur donner des petits noms, et on peut même leur attribuer des raccourcis. Et donc, c'est relativement rapide, voilà, pour faire tout un tas de choses. Je vais avancer parce que le plus intéressant, T'en ça as va être... quelques-unes de macro sous le coude là? Alors, j'avais prévu de vous en faire une en live. Alors, Ok, vous... je spoil. Pardon. Mais non. Mais après, je switch, donc j'utilise ça. J'utilise parce que là, ce que je faisais avant dans Notepad++, maintenant je le fais dans SEO Tools for Excel. Donc, il y a un peu de tout. Mais on verra quand on sera en mode démo. Alors, il y a une super extension Excel qu'on vient de me remettre à jour parce que la licence n'était plus
plus à jour sur mon Excel. Ouais, Et comme par hasard, ça arrive tout le temps au Excel. mauvais moment. Ouais, non, mais de grave, genre, elle a dû finir avant-hier, et là, je l'ouvre et je fais, waouh, comment je vais montrer les trucs? Et tout le store Excel, c'est un petit plugin qui vaut 99 $. Alors, c'est à l'année, hein, donc ça se renouvelle. C'est un peu comme Screaming Frog. On peut se connecter à tout un tas d'API. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut aller chercher des éléments en ligne directement. Alors, attends, je vais prendre une petite URL là. Toc. Je vais aller prendre. Qu'est-ce qu'on prend comme. Tiens, le blog d'Aurélien, parce que j'ai vu qu'il avait fait un nouvel article. De lien. Aurélien. Ça doit faire à peu près 1 000 ans qu'il n'a pas fait d'article. Voilà, et bien là, il en a fait un aujourd'hui. J'ai vu. Voilà, et typiquement, ah bah si, autre extension que j'utilise beaucoup, c'est Scrap Similar, qui est une extension Chrome. Je crois qu'elle s'appelle Scrapper, si vous la cherchez. Scrapper Chrome. Et j'ai écrit ça n'importe comment. Et c'est celle-ci, voilà. Et donc, cette extension, elle est hyper pratique. Donc là, je vais aller chercher par exemple toutes les URL qui sont sur la page d'accueil. Hop. Je passe d'un outil à l'autre, hein, mais c'est vraiment pour montrer dans Excel un petit peu les fonctionnalités de la SEO Tools for Excel du petit plugin. Donc là, bon, j'ai récupéré des URL. Ah, juste si tu peux revenir à ce que à la au X, Similar. au XPath qui t'a sorti, parce que je trouve que c'est très propre. La plupart des outils vont vous sortir le XPath depuis le body, alors que là, il a fait un slash slash H2 slash A. Donc pareil, hein, si vous voulez avoir des XPath assez facilement, ça me paraît être plutôt quali. Ouais, et pas tout le temps, hein, parce que parfois il fait les chemins slash div, slash div, slash div sans faire des sautes Ouais. depuis la routine, et c'est pas évident d'y voir clair. Et donc, bah en gros, grâce à ce petit module, la SEO Tools for Excel, on peut transformer Excel en crawler, quoi. C'est-à-dire qu'on peut appeler tout un tas de fonctions pour aller chercher des choses. Donc là, j'ai les 10 derniers articles d'Aurélien. Je vais pouvoir aller chercher avec une petite fonction le status code. HTTP, pardon. HTTP status code. Voilà, HTTP status. Et donc, il y a tout un tas de fonctions qui arrivent avec. Je sélectionne mon URL. Et j'ai plus qu'à dérouler. Et directement, du coup, dans Excel, je me récupère mes différents éléments. Alors, on le fait pour les codes réponses, mais je peux aussi récupérer les canonicals, les méta-robots et tout un tas, elles sont toutes indiquées là, les balises qu'on peut récupérer. Donc c'est hyper pratique parce que parfois, entre rentrer dans Screaming Frog, lancer un crawl, faire un export de Screaming Frog, ouvrir son fichier Excel, le reformer à sa sauce pour le partager au client, on va directement dans le fichier client, on peut faire ça. Après, comme lui, il n'a pas l'extension, bah, forcément, on va juste coller les valeurs, mais c'est hyper pratique. Et puis, pour aller plus loin, on peut aussi aller chercher des éléments sur un site avec des expressions régulières ou des XPath, un peu comme le fait Google Sheets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cet article, si je veux par exemple récupérer la date, et que avec XPath, c'est un peu compliqué, et ben, je vais aller récupérer cette ligne-là. Bon, je le fais en regex, hein, c'est pour la démo, mais je pourrais le faire avec XPath aussi, mais c'est pour montrer la petite fonction. Regex find on URL, donc ça, pareil, c'est une autre fonction qui arrive avec SEO Tools. Je lui mets mon URL. Et alors après, je vais essayer de faire une regex en live. Je sais pas ce que ça toc. Donc, je récupère time. Tout sauf un crochet fermant 0 ou plusieurs fois. Vous avez vu, je vous explique en même temps ce que je fais. C'est quand même formidable. J'espère que je ne perds personne avec les regex. Donc là, je vais chercher la balise time. Je vais juste récupérer tout ce qu'il y a dans time. Et donc pour ça,
vais aller chercher tout sauf. Oh la Pierre pauvre. Paraguay exprès, Il y donc a tu veux que je Sipaï. l'applique. Sipaï, elle est pas contente parce que je lui dis pas bonjour. Mais Sipaï, t'es arrivé un tout petit peu en retard. Bonjour Sipaï, j'espère que tu vas bien. Toc. Bon, si ça marche pas, hop. Bon, alors, ah oui, là, j'ai récupéré l'entièreté et moi, je vais juste récupérer une partie. Dollar 1. Ah ouais, non, Voilà. il fait pas dollar, ok. Et donc là, bah, je vais récupérer toutes mes dates de publication d'articles. Moi, bon, je pense que j'ai un peu forcé la dose. J'ai dû aller trop vite. Ah oui, ça me les a décalés. Voilà, j'ai fait le bazar. Mais donc, en gros, voilà, directement, je vais pouvoir scraper tout un tas d'éléments sur une page web. Donc ça, c'est un vrai kiff, notamment quand on veut comparer est-ce que l'URL demandée est la même que la canonical qu'on a dans le code HTML ou pas. Et on peut se faire un mini crawler. Ou même pour récupérer les titles et tout, c'est hyper chouette. Et en complément de tout ce qui est la partie scrap, on a aussi tout un tas de fonctions ici qui permettent bah, soit de faire de la regex directement dans Excel, mais de compter des mots. Alors bon, ça, on va pouvoir le faire avec des fonctions Excel un peu avancées, mais un peu tous les trucs du quotidien. Et puis, il y a URL Property aussi qui permet... Alors celle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais en gros, URL Property permet de décomposer une URL, donc aller chercher le sous-domaine, le nom de domaine, SEO. On va regarder comment elle s'utilise. Donc voilà, URL Property, on met le nom de domaine, on demande si on veut l'URL absolue, si on veut juste récupérer le nom d'hôte. Donc là... Si je me mets ici et que je mets URL Property, donc on est en A2 et je mets le host. Ah oui, c'est un point virgule. Voilà, et donc là, bon là c'est le même site, ça n'a pas trop d'intérêt, mais voilà, on peut vraiment décomposer les URL, aller chercher directement les query strings, les chaînes de paramètres. Voilà. Hyper pratique ce petit module. Alors, je vais juste montrer pour info ce que ça donne la formule Excel pour aller chercher le host comme tu viens de faire. Hein. Voilà ce que ça donne la formule Excel pour aller chercher le host. C'est bien horrible. Et elle est dans un Notepad plus parce que justement je suis incapable de la refaire à la mano. Alors attends, j'agrandis juste pour le voir. Ah ben Ah ouais. c'est ça. Ouais, c'est gauche, substitute, 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 D2, enfin blablabla, c'est juste le bordel. On a Sipai, rebonjour Sipai quand même, qui nous dit Scrapper sur Chrome Mac, c'est Scrap Similar quand on fait clic droit sur le navigateur. Ah oui, ouais, tout à fait, ouais, le petit plugin que j'utilisais tout à l'heure, effectivement. Et puis on a... Elle est où cette question? Je l'ai perdue. Enfin, il y avait quelqu'un qui demandait si on pouvait, de cette manière-là, faire des sites de points dans Google. Alors, on peut requêter, c'est intéressant, c'est une bonne question. On peut requêter et globalement, il y a un onglet qui s'appelle Global HTTP Settings où là, on renseigne le user agent. On peut en renseigner plusieurs. Il me semble qu'on peut les faire Tirer au hasard. random et on peut mettre des proxys. Et donc, potentiellement, ça revient au même que d'avoir un navigateur. Donc, je pense qu'on peut le faire, ouais. Ouais. Je pense Après, il faut aussi. Alors détecter les... attention, hein, parce qu'en fait, quand vous appliquez dans Excel, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est threadé. C'est-à-dire qu'il va tout balancer en parallèle comme un pourri. Donc vos proxys, si vous jouez sur plusieurs centaines d'URL, ils vont pas faire long feu. Hein. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Mais potentiellement, on peut, on a pas mal de réglages. Et puis, il y a toutes les connexions, je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a toutes les connexions avec les API, donc pour aller graber des trucs directement de la Search Console, d'AdWords et Analytics. Voilà, faut se connecter. Et puis après, bon, on sélectionne la plage de date, tout ce qu'on veut récupérer.
Alors, on a Sipai qui nous demande, vous aussi, vous faites des regex en disant à l'oral chapeau ou dollar, ou bien je dois en parler à mon psy. Moi, je pense que tu dois en Pas parler à mal. ton psy, parce que celui qui parle quand il fait des regex, ou alors non, c'est parce que tu es une fille, en fait, tu es multitâche. Il paraît que les filles, elles sont multitâches, et nous, on est juste monotâche, mais voilà, c'est. Ça doit être ça en fait, parce que moi je suis incapable de parler quand je fais des regex. Déjà, j'arrive très très, je me bats. Enfin, si je parle beaucoup en fait quand je fais des regex, pardon. Mais c'est vraiment beaucoup de noms d'oiseaux. Ouais, on pourra d'ailleurs faire un focus si on a le temps sur les regex parce que parfois je vois des trucs qui sont très très compliqués et on peut faire beaucoup plus simple. C'est d'une puissance incroyable les regex, mais c'est tellement le casse-tête quoi. Ouais, faut pas se planter. Ah, non, j'ai déjà fait des search and replace monstrueux sur une base complète de tous les sites des clients quand j'étais dans l'agence où je bossais. Et on s'était planté. Et donc on avait écrit le nom d'un seul client sur tous les sites du réseau quoi. Donc voilà, ça faisait bizarre, tu vois, quand tu as 3, 4 clients qui t'appellent en disant, mais pourquoi j'ai ce nom-là sur mon site? Et là, tu C'est mon fais, nom, oh ouais. non! Et je te parle Oups. de 600 sites. Hein. Ah oui, quand même, ouais. Un peu sévère. Ouais, Le rechercher remplacé dans la base. c'était un peu violent. Donc voilà, SEO Tools for Excel, on peut faire du XPath aussi. Après, je vais vous montrer Google Sheets. C'est là où ça va être hyper intéressant, Google Sheets, parce qu'on va aller plus loin. Et puis, en termes de plugins, il y en a deux, trois sur lesquels je vais faire le focus. Il y en a un qui s'appelle View Rendered Source. Et ce plugin est hyper chouette parce qu'il vous affiche la différence entre le code HTML brut renvoyé côté serveur, enfin renvoyé par le serveur, et le code digéré par le navigateur avec le JS exécuté. Ouais. Et donc voilà, on peut avoir la différence, les lignes supplémentaires, les lignes qui ont été enlevées et tout. Donc c'est assez pratique comme extension, j'aime bien. Ben pour tout ce qui est analyse Alors de moi, site JavaScript, clairement, ouais. ouais, c'est pas mal du tout. Il y en a une autre que j'utilise souvent parce que j'ai pas le droit de modifier mon ordi, il est un peu bridé pour des raisons de sécurité par le boulot et tout. J'ai pas le droit de modifier mon fichier host et puis c'est un peu compliqué de modifier son fichier host pour changer. La correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine, notamment quand on fait des tests sur des pré-prod ou des trucs comme ça. J'ai un petit plugin qui s'appelle Livehost. Ouais. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Et donc, bah, on lui met un nom d'hôte et une adresse IP. Donc là, si par exemple, partousdelien.info, bah, je lui mets une adresse IP bidon. Ah yes. Ah ouais, tu chopes le Doc. fichier host directement au niveau navigateur en fait. Exactement, partousdelien.info, et puis là je mets une adresse IP bidon, c'est juste pour montrer que ça marche. J'ajoute, je sauvegarde, et donc là si je rafraîchis la page, Ça marche pas. est-ce que j'aurais dû mettre tout le nom d'hôte? Oui. 3W, c'est peut-être pour ça. Hein. Oui. Voilà, et donc là ça rame. Ah, normal, il le trouve pas. Et il ne le trouve pas. Donc ça, c'est assez cool. On peut en ajouter plusieurs. Et bah, ça simplifie un peu la tâche que d'aller chercher le fichier à chaque fois. Alors surtout sur Windows, c'est dans Windows slash etc slash host. Enfin, c'est... Système 32, drivers ETC host. Voilà, c'est ça. Donc très original, ce plugin s'appelle Live Hosts. Donc cette petite extension Chrome. Ouais, cool, merci. Voilà pour l'info. Qu'est-ce que j'ai de beau plus loin? Ah, j'en ai une, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser, c'était plutôt pour tester. Ah bah du coup, et forcément, on n'a plus rien Ouais, Yeka le coquin, quoi. Ce plugin-là, c'est parfait pour troller quelqu'un en modifiant la destination du site google.fr, par exemple. On Ah, pas mal. peut imaginer des trucs plus coquins que ça. Je dis bien coquin pour être poli, mais on peut imaginer que ce soit extrêmement dangereux. Parce que typiquement, tu modifies le pointage du site bancaire de quelqu'un. Aïe, aïe, aïe.
C'est chaud, ouais. C'est très Donne chaud. pas des mauvaises idées comme ça. Ouais, non, mais bon, le fichier host, ouais, c'est un peu chaud. Et d'ailleurs, on a WeDead qui nous dit par rapport au scrap des sites de points qu'on disait tout à l'heure. Je confirme, on peut lister toutes les URL indexées. Hein, je pense que la personne qui posait la question du site de points, et c'était Olivier, avait une petite idée derrière la tête, hein, qui était justement de vérifier le taux d'indexation de son site. Alors, juste un petit bémol sur site de points. J'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps sur une URL précise. Hein. C'était une URL sans paramètres. C'était une URL très propre. Enfin, je dis sans paramètres parce que parfois c'est plus compliqué tout ça, que des caractères standards. Et elle ne remontait pas avec la commande site de points. C'est-à-dire que ça me disait aucune URL trouvée. Et pourtant, quand je tapais bah, des mots qu'il y avait dans la page, elle remontait bien, donc elle était bien indexée, et la Search Console me disait qu'elle était indexée. Ouais. Donc, autant une URL, en trifouillant un peu, on peut arriver à plus de trucs. Site de points, c'est de plus en plus le bazar, je trouve. Ouais, tout à fait. Et donc on a Sipai qui raconte une petite anecdote. Un jour au bureau, Emery ne comprenait pas pourquoi son clavier faisait n'importe quoi. En fait, son deuxième clavier Bluetooth était encore connecté et dans son tiroir, cela tapait tout seul. J'avoue, je me souviens. Excellent. Quelle mémoire, si paille. Et elle précise entre parenthèses que tu as le droit de balancer sur elle. Je le ferais si j'ai des petites choses qui me viennent comme ça. Il y a une autre extension, celle-là, je la montrerai après. Ouais, il y en a une qui s'appelle Regex Replace, qui permet de faire des recherches et remplacer dans le code HTML affiché à l'écran. Donc parfois, c'est assez intéressant pour. Je ne sais plus pourquoi je m'en étais servi, mais c'était pour modifier un appel qui était pas le bon vers un fichier. Et je ne pouvais pas modifier parce que c'était côté client. Et du coup, je modifiais un petit peu le code comme ça pour voir ce que ça donnait avec le bon fichier JS appelé. Et donc, dans cette petite extension, bah, on peut ajouter des regex, hein, et dire, bah, voilà, remplace-moi tel regex par tel élément. Et puis, bah, dans le code rendu affiché à l'écran, eh ben, on a remplacé les éléments qu'on avait demandé. Encore un truc de coquin, quoi. Regex Replace. Et puis, les autres, bon, bah, celle-là, tout le monde la connaît, un web développeur et compagnie. Qu'est-ce que. Ouais, non, celle-là, je vous la montrerai après. Donc, voilà, les extensions. Tout un tas de petits bookmarklets. Hein, les bookmarklets. Pour ceux qui ne connaissent pas, les bookmarklets, c'est des favoris qu'on va mettre dans son navigateur qui appellent du JavaScript. Hein. Et donc, directement, par exemple, là, je suis sur la page d'accueil du blog d'Aurélien Delfosse, eh bien, dans les outils SEO, je vais pouvoir regarder hop, son robot.txt sans avoir à taper slash robot.txt. Donc, c'est des tout petits trucs. Tu me diras, ouais, mais c'est bon, tu peux faire slash robot.txt. Mais je peux vous dire qu'au quotidien, ça change pas mal. Pareil, tiens, je vais aller sur l'outil de données structurées de Google. Bah là, directement, je vais faire le test mobile friendly. Et il me l'exécute. D'ailleurs, je crois que Aurélien, ton blog est pas. S'il est là, hein, au cas où. Non, je pense pas qu'il soit là. Son blog est pas encore mobile friendly, il me semble. Après, je pense qu'il en a strictement rien à battre. Oui. Non, mais c'est drôle, ça m'a fait rire de voir un article qui tombe comme ça du chapeau alors qu'il n'en avait pas fait depuis super longtemps. Ah si, elle est adaptée mobile, donc voilà. Bon, bah après, un bookmarklet, hein, vous tapez bookmarklet sur Google, mais le plus utile que j'ai, c'est au niveau des SERP. Hein. Quand on ajoute le paramètre enum égale 100, donc pour en fin d'URL pour afficher 100 résultats, donc avec enum égale 100. Eh bien, on va avoir un outil qui va m'extraire tout. Hop, comme ça. Et ça, je trouve ça trop pratique. Il m'extrait toutes les URL direct. Donc, après, on peut le faire avec Scrap Similar. Mais voilà, il y a ce petit monsieur, là, Chris Ainsworth, qui a fait pas mal de bookmarklets sympas. Et donc, bah, j'en ai une petite ribambelle. Qui me servent quand j'arrive, voilà, tiens, sur un audit, j'arrive sur le site de Tricaya
Et puis je vais lancer. Vous avez vu ce magnifique site, il est beau, J'ai le droit de te prendre en cobaye, hein. il a été fait par FX, Fixo25 qui vient d'arriver. Salut à toi, FX. Et là, Ouais, j'en ai. prends-moi en cobaye, ouais, je m'en fous, moi, Et tu un qui est pas mal, qui regarde justement s'il reste des URL en HTTP. Et donc, en gros, il fait site 2.3w.tricaya.fr moins une URL HTTPS. Et donc là, on voit qu'il y a encore 111 URL qui sont en HTTP, qui sont indexées. Ouais, la migration a été faite il y a 2 semaines de ça, je crois. Alors, à voir si c'est des chaînes de redirection. Souvent, c'est des chaînes de redirection qui restent, hein, j'ai déjà remarqué. Google, il explique qu'il est capable de suivre jusqu'à 5 redirections qui s'enchaînent, mais quand il a deux, il met plusieurs mois à les digérer, donc autant éviter. Non, il n'y a pas de raison qu'il y en ait, mais... Bookmarklet sur Google, Bookmarklet SEO, et vous allez trouver tout un tas de trucs super chouettes. Et puis, pour avancer, puisque je me rends compte que je ne suis pas encore dans le du creux, je vais vous montrer les astuces de Google Sheets. Et là, on va monter un petit peu au fur et à mesure. On va commencer par du simple, puis on va aller sur du un peu plus petit. Alors, je vous partage juste la bonne feuille Google Sheets. Est-ce que c'est des choses que tu es amené à partager, certains bookmarklets ou pas? Bah après, ce que je pensais, je ne sais pas comment tu fais d'habitude, Fred, mais je pensais mettre un petit fichier Google Sheets que je partage, où je mets les différents bookmarklets et les différents liens que j'ai présentés pendant la presse. Ouais, top, top. Ferai ça après, j'ai pas eu le temps de le préparer avant, mais je les partagerai comme ça. Je sais pas. Après, on peut aussi relayer vers ton blog, hein, si jamais c'est yapadequoi.com, yapadequoi, tout attaché.com. Ouais, plus trop à jour, mais. Oh, ouais, Toujours sur pattes. Sinon, il y avait Rafessio qui avait publié pas mal de bookmarklets qu'il avait récupéré à droite à gauche. Assez pratique. Ok, nickel. Donc là, attendez, je vais vous partager ça. Donc là, on va commencer par du simple. Hein, et puis après, on va aller dans un truc un peu plus capé dans Google Sheets. Alors, c'est vrai qu'on utilise souvent les XPath pour scraper, pour aller récupérer des éléments. Donc, on peut le faire avec import XML, mais il y a un truc qui est assez pratique, c'est la fonction import HTML qu'on a dans Google Sheets. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Et en gros, elle permet d'aller récupérer des données qui sont dans un tableau HTML. Et il y a encore des sites qui ont des très jolis tableaux HTML avec plein de données qu'on peut récupérer et c'est super pratique. Alors là, je pensais vous montrer sur. La liste des départements. Voilà, si on veut faire des déclinaisons sur un site géolocalisé, on sait rien, ça pourrait être offre d'emploi plus département. Bah tiens, je vais récupérer la liste des départements et puis les villes qui vont avec. Donc, je vais aller sur Wikipédia. J'ai la liste des départements français. Donc là, j'ai un magnifique tableau ici, définition du département, mais ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Celui qui m'intéresse, c'est celui-là. Alors, il est beau comme tout. Alors, vous allez me dire, on peut copier-coller ça directement dans Excel, mais parfois, ça fait des trucs bizarres, un petit peu tordus. Et donc, pour le graver directement dans Google Sheets, on regarde un petit peu la page et on se rend compte que bon, on peut faire inspecter aussi. Hein. Un petit contrôle F. Et donc là, on va aller chercher les tableaux, slash, slash, table. Donc là, on voit que j'ai mon premier tableau ici. Et puis si je regarde le tableau suivant, hop, bah c'est mon gros tableau. Donc c'est le deuxième tableau de ma page HTML. Ici, j'ai juste à taper. Donc là, il n'y a pas besoin de plugin, hein, c'est natif dans Google Sheets. Tout le monde peut le faire. Import HTML. Je vais copier-coller l'URL. Ce sera mieux. Donc là, je mets égal import HTML. Je mets mon URL. Point virgule, l'élément que HTML que je veux récupérer, donc là en l'occurrence c'est un tableau. On va aussi pouvoir récupérer des listes ULLI ou des choses comme ça. Dans la doc de Google, il précise hein, toutes les balises qui sont supportées. Table, et puis je lui dis que je veux récupérer le deuxième tableau de la page. Et je ferme, et normalement je n'ai pas fait d'erreur. Et si tout va bien, la magie opère sous vos yeux ébahis. Attends. Wow.
Là, je récupère mon petit tableau, tout bien, tout beau, tout propre, tout formaté, juste avec une petite fonction. Ça, c'est hyper pratique. J'adore parce qu'il y a des sites qui utilisent des tableaux, ne serait-ce que pour des. On a ça. Alors là, c'est sur un exemple sur des villes. On peut avoir des caractéristiques techniques aussi de produits ou autres. Et si vous le faites en copier-coller, parfois, ça casse tout. Importe HTML. C'est un peu le résultat magique. XPath, normalement vous connaissez XPath. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que je reprécise un petit peu ce que c'est? Ouais. XPath, ça vous permet de naviguer un peu comme dans un document XML. Il faut imaginer la page HTML sous la forme d'un arbre. On a une balise body. Dans la balise body, il y a un div dans lequel il y a un node div. On déplie. Eh bien, c'est un peu la façon de naviguer en arborescence XPath. Donc là, je vois tout un tas de balises. Eh bien, si par exemple, sur ma page Wikipédia, je veux récupérer cette liste-là, qui s'appelle Vector Menu Content List, qui doit correspondre, je pense, au sommaire. Ah non, c'est au changement de langue. Alors, attends, j'ai peut-être pu se récupérer une autre. Une autre petite liste. Qu'est-ce que je pourrais récupérer d'intéressant sur cette page? Je pourrais récupérer Le ça. sommaire? T'as dit quoi? Le sommaire? Le sommaire, ouais, carrément. Ce que je... Donc là, j'ai un div. Toc, 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 il est où? Ah bah c'est mes LI qui sont là. Donc j'ai une balise UL avec différents LI, top level, section 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire. Toujours dans Google Sheets. Hop. Je vais lui dire récupère-moi sur l'URL. Alors, je ne l'ai plus. Je vais la rechercher. Donc là, on utilise import XML. Je mets mon URL. Toc. Je récupère ça. Donc, c'était. Si on regarde bien, on a une balise UL et à l'intérieur un LI qui a cette classe, toc level 1, toc section 1. Et donc je vais lui dire, bah, va me récupérer. Ah, oh, tout est effacé. La loose, je recommence. Je vais faire une fausse manip. Là, j'irai la chercher après l'URL et là, je vais taper le chemin XPath. Et donc le chemin XPath, c'est. Tu pars de la racine du document, quand on a deux slash, on va directement au tag qui nous intéresse dans le document. Donc là, je mets deux slash, ça veut dire va directement à la balise UL et trouve-moi les LI, donc les balises LI. Et là, j'ouvre des crochets pour demander les balises LI qui ont la classe qui s'appelle. Alors, je vais mettre des quotes parce que sinon ça. Ouais, j'allais te le dire. Doc. Donc là, je n'ai pas d'URL, donc ça n'a pas marché, mais je vais la copier-coller. Là, je remets mon URL et donc je vais lui dire, va chercher dans la première balise UL que tu trouves les LI qui ont cette classe-là. J'appuie sur Enter. Dans toute balise UL qui ont des Et... LI. Ouais, peut-être plus simple. Hein. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas la première balise ce que tu fais avec ton slash slash UL. C'est toutes les balises qui sont de cette forme-là. Oui, mais qui ont un LI dont la classe est top level. Mais il y a pas Voilà. ce top level. Ah oui, parce qu'il y a top section 1, top section 2. Donc là, on peut cheater un peu. On peut faire les balises qui contiennent. Non, mais tu mets juste top level 1, en fait, ça va marcher. Ah bah c'est. Non, c'est pas ce que t'as fait, ouais. Voilà. Non, ça marche pas. Non, il faut mettre ce qui contient parce que lui, il cherche juste la classe précise. Donc... Ah, class contains, ouais. Alors ça, par contre, les syntaxes XPath, elles sont un petit peu plus chiantes là, ouais. Ouais, la syntaxe est un petit peu plus galère. Ça ressemble, là, je ne l'ai plus trop, trop en tête. Bah ouais, moi je vais souvent dans Google quand c'est comme ça. Hein. Le contains. Ouais.
J'arrive jamais à syntaxer. Mais bon, vous avez vu, ça remonte quand même d'autres trucs. Là, je ne vais pas le faire, là, parce qu'on va peut-être perdre du temps à chercher les contents. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais voilà, import XML, pareil, pour récupérer des éléments. Et je vous ai mis des exemples d'utilisation. Bon, là, on a des trucs un peu basiques, métadescription, Ça va pas hfrang, être possible, etc. commissaire. Mais Vous pétez le truc. globalement, le Parce que Bestel, il a scrap, mal mis je la m'en sers cassette tout à l'heure et souvent ça a pour aller tourné. chercher le nombre de produits dans une catégorie. Donc là, même, hein, là, c'est sous Google Sheets, mais voilà, je le fais aussi sous Screaming Frog. Pour un peu aller chercher bah, les pages qui ont beaucoup de produits, les pages qui ont plus de produits. Pareil, on va pouvoir regarder le nombre d'images qui sont contenues sur des fiches produits, éventuellement détecter des pages produits qui n'ont pas d'images, des pages vides, des pages qui contiennent des, enfin, qui sont en rupture de stock et tout un tas de choses hyper intéressantes quand on fait un crawl de site pour bah, au final extraire les pages qui sont à optimiser. Donc là, XPath. On a fait import HTML, import XML avec XPath, mini rapide. Ça, l'idée, c'était un peu de montrer la même chose, mais voilà, c'est un peu comme dans SEO Tools for Excel là, que j'ai montré tout à l'heure. La même manière, dans Google Sheets, ben, on va pouvoir aller scraper des éléments grâce à XPath, donc aller chercher les canonicals, les titles, et puis faire des comparaisons. Il y a une petite fonction qui s'appelle Detect Language qui m'a été hyper utile une fois. J'étais, bah, je crois que c'est un client qu'on a eu en commun à un moment, Fred d'ailleurs, et il avait un site en anglais et pas toutes les balises étaient traduites. En gros, il avait des balises dans sa version /en qui étaient en français et des balises qui étaient en anglais. Il n'arrivait pas à avoir la visibilité de ce qui était traduit, ce qui n'était pas à traduire dans ses titles. Et du coup, on avait utilisé la fonction Detect Language qui permet de détecter bah, la langue, tout simplement. Donc là, si j'ai. Tiens, il faudrait que je reprenne les titres d'Aurélien là, que j'avais mis dans Excel, là. Hop. Alors cette question, elle est intéressante. Je me suis posé la question cette semaine avec un client qui a une URL qui est anglophone. Et en fait, c'est parce que ça parle d'un sujet technique où on utilise souvent l'anglais. Et je me suis demandé si ça pouvait pas interférer justement l'interprétation du bot, quoi. Ah, carrément. Ah oui, tu penses, ouais. Ouais, je me suis demandé. On peut imaginer que ce soit possible, que tout d'un coup, c'est très haut en fait dans la pyramide d'analyse et que il considère cette page comme de l'anglais, il trouve du français, donc il est perdu. Je sais pas. Ah, il y aurait un test intéressant à faire, ouais, carrément. Je m'étais jamais posé la question. Ben ouais, là je me suis un peu posé la question. Donc je lui ai dit oui, ça peut être intéressant de changer ton URL. Mais... Parce que derrière, il entend tous les SEO qui disent non, mais les URL, on s'en fout. Oui, mais là, on a peut-être quelque chose d'un peu particulier. Ouais, après, on s'en fout. Ça reste si on a un lien qui est l'encre de lien et une URL, même si Google sait que c'est une URL, ça fait toujours des petits mots-clés. Ça fait Ouais. dans l'encre de lien, quoi. Ouais, mais le poids des mots-clés dans Oui, l'URL, ah oui, celui-là, on peut. c'est si Ouais. ta page elle s'appelle 123.php, on s'en fout, ça marchera C'est aussi, clair, hein, c'est mais clair. bon. Ouais, je me bagarre pas mal avec ça. Dans les formations que je peux donner à l'extérieur sur des idées qui restent ancrées, comme quoi les mots-clés dans l'URL sont importants. Ouais. Donc je bataille régulièrement avec des clients pour Moi aussi. que on peut faire beaucoup mieux que d'avoir des URL toutes propres, toutes bien traduites. Ah ouais, puis ceux-là, c'est les pros pour te faire des changements d'URL massifs sans les redirections 301 qui vont avec. C'est clair. Donc là, pour refaire le truc, en gros, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, j'ai. Alors, je ne vais pas mettre le client en question, hein, mais là, je vais récupérer donc avec XPath bah, les titles. Allez, allons-y. Je vais récupérer les titles. Il y a C234 qui demande si c'est une extension AppScript dans GG Sheet là. Non. Non, c'est du natif ça. Hein. Non, c'est du natif, ouais. Import XML et import HTML, c'est natif.
la même manière, il y a, on peut manipuler les regex aussi dans Google Sheets, à la différence d'Excel, hein, ce qui est assez pratique. On a quoi comme fonction? On a sur les regex, on a regex match, regex extract et regex replace. Mais les regex, hein, c'est la vie. Hein. Sipaï, elle en parlait tout à l'heure, elle disait qu'elle a écrit le regex. Je pense qu'elle parle regex la nuit. Elle doit dire chapeau, dollar. On demandera à Julien. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner parce que les titres d'Aurélien avec SEO politiquement incorrect, tout ça. Mais voilà, il faut s'imaginer que sur ce client-là, on avait fait un crawl du site, le site français, le site anglais, on avait tous les titles. On les a mis dans Google Sheets et après, on a utilisé la fonction Detect Language qui permet d'identifier la langue utilisée dans le texte. Et donc là, on sélectionne bah, tout simplement la cellule hein, avec notre texte. Et là, il va nous retourner, bah, c'est du français. Et là, si je mets SEO, very interesting, Magnifique, on c'est dirait de presque le l'anglais. mien. Voilà. Donc d'un coup, j'ai pu extraire bah, tous les titres qui étaient à modifier au client et il était bien content parce que sinon, faire le tri à la mémine, ça aurait été un peu relou. Ah, il y a d'ailleurs une autre fonction qui est utile. Je ne sais pas si tu l'utilises des fois, Fred. C'est la fonction Google Translate, tout simplement. Ça Ouais. permet de traduire bah, un texte. Dire, voilà, celui-là, il est en français. Et traduis-le-moi en anglais. Moi, bon, ça va faire des trucs un peu dégueux. Hein. Ouais, mais quand je reprends des campagnes Google Ads en allemand, par exemple, où je suis pas du tout germanophone, ben voilà, ça peut aider. Qu'est-ce que j'ai d'autre de beau à vous montrer? Alors, ouais, là, on va rentrer un petit peu, mais je me rends compte que j'ai prévu plein de trucs. Et en fait, j'avance comme. C'est pas grave. Là, c'est pour aller un peu plus loin. Justement, je ne sais plus qui tu as dit, là, qui à l'instant évoquait Google App Script. Là, on va rentrer dans Google App Script, ce qui est le langage de script de Google Sheets & Co. et qui va nous permettre justement bah, d'appeler des URL avec des requêtes post et get. Donc là, je vais vous montrer un exemple assez rigolo. On va pouvoir se connecter à des API, donc vraiment requêter des trucs extérieurs, traiter de la data directement dans Google Sheets. Et donc, y a des add-ons qui sont top, qui sont sortis, qui permettent vraiment, vraiment de gagner du temps. On va pouvoir archiver des datas de façon régulière. Là, je vais vous faire une petite démo en live. Et puis, on va pouvoir envoyer du mail et spammer comme un goré. À Bien utiliser ça. l'itération, ça. Allez, on y va. On commence doucement. J'ai un petit onglet qui s'appelle suivi du statut HTTP. Alors, attendez, j'ai prévu tout ce qui est AppScript. Vous allez les trouver pour. Y a un bonhomme qui s'appelle Amit Awargal, je crois. Son site, c'est labnol.org. Et c'est une mine d'or. Le mec. Pour moi, c'est celui qui maîtrise le plus Google Sheets. Il propose des trucs de fou très régulièrement. Sauf que maintenant, il a mis ses scripts les plus avancés payants. C'est normal, hein, le mec, il a bossé. Donc, voilà. Mais on trouve quand même des petits bouts de script gratuits. Et je pense que la façon dont il code et tout font que pour quelqu'un qui connaît un peu le JavaScript, bah, vous allez pouvoir vous y retrouver hyper rapidement pour créer vous-même des petits scripts à droite, à gauche. Donc, labnol.org, et quand vous voulez rédiger un script dans Google Sheets, ça se passe par extension, apps script. Je sais pas si c'est assez grand sur vos écrans, s'il faut que je zoome comme un Ah, tu voyage. peux zoomer un petit peu, ouais. Pour ceux Voilà. qui sont sur leur mobile. Donc là, c'est un exemple de petite fonction qui s'appelle fonction statut HTTP. On voit qu'on récupère. Comme variable, bah, une URL. On met quelques options, les erreurs, on ne suit pas les redirections, on pourrait les suivre, on pourrait mettre true. Bref, on clean un peu l'URL et puis après, en deux lignes, on a juste une fonction qui s'appelle URL fetchApp, hein, qui est une fonction bah, de Google Apps. Et donc, on va récupérer, on va faire une requête. Donc, c'est Google Sheets qui va requêter notre URL et ensuite, on va récupérer.
le code réponse. Ça marche comment? Je prends le nom de ma fonction, je me mets dans un nouvel onglet, bah, où je peux me mettre là, tiens. Elle s'appelle comme ça, ma fonction. Tiens, je vais changer, je vais prendre un autre site. C'est pas que j'aime pas Aurélien, mais il faut varier les plaisirs un petit peu. Donc, on va aller sur la page prestation de Monsieur Dorf. Bah, va sur la page de la formation maillage interne, vas-y, spam. Formation SEO, allez. Je sais Celle-là, même elle te pas. va? Ok. Et donc là, bah, un peu comme je l'ai fait avec la fonction de SEO Tools for Excel, bah, je vais pouvoir faire égal statut HTTP. Je sélectionne mon URL, je referme, je patiente et j'ai le code réponse de la page. Donc pareil, quand on a plein d'URL, on peut tirer la formule. Et il y avait une. Alors il y a des limites hein, à cette fonction qui s'appelle URL fetchApp. Donc là, je déroule, hop, la page répond en 200. Jusqu'ici, assez standard. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est Google Sheets qui requête. Et donc, on peut se dire, tiens, bah, c'est marrant, je peux récupérer les statuts HTTP dans Google Sheets. Et puis, il y a un petit truc chouette là qui s'appelle déclencheur. Et déclencheur, bah, vous allez pouvoir paramétrer des déclenchements de script. Et dire, bah, voilà, ma fonction, je veux qu'elle s'exécute tous les jours, toutes les minutes, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Et donc, lancer des trucs. Et là, je vous ai préparé une petite fonction de famille que je pourrais vous partager après, donc, qui permet d'automatiser. Alors, je vais pas la détailler trop, mais en gros, ce qu'elle fait, cette fonction, on a plusieurs fonctions hein, qui s'appellent les unes les autres. Donc là, j'ai paramétré l'URL de mon site que je veux tester. Donc là, l'idée, ça va être de tester à intervalles réguliers le code réponse qui est renvoyé sur mon site et de tout loguer dans un fichier Google Sheets. Ça, c'est pas mal utile quand vous avez un client qui se met à avoir des erreurs 500 un jour et puis ça s'en va, ça revient. Avec ça, on va pouvoir dire bah, en fait, tu as eu des erreurs 500, mais ça a duré une demi-heure et on va pouvoir donner la plage d'horaire précise. Et donc, ça va être intéressant en mode inspecteur. Donc là, j'ai ma fonction principale, elle s'appelle getTime. Puisque c'est elle qui va faire appel aux autres fonctions, et notamment DoLog, qui va rentrer des informations dans ma feuille Google Sheets, qui est paramétrée ici, et dans mon onglet Suivi HTTP Statut, qui est paramétré ici. Je vous le partagerai, ça, hein, pas de souci. N'essayez pas de le recopier, ça prendrait trop de temps, sinon vous faites une capture d'écran. Et donc, je vais aller dans les déclencheurs, ici. Je vais demander à Google d'ajouter un déclencheur. Je vais lui sélectionner la fonction à exécuter, donc je lui ai dit que c'était getTime. Je veux un déclencheur horaire, donc je veux la déclencher toutes les minutes. Voilà, sélectionne toutes les minutes. Alors on peut choisir toutes les 5, toutes les 10, toutes les 15, toutes les 30 et compagnie. Et j'enregistre. Dans mon fichier Excel, là, donc là j'ai renseigné l'URL que j'ai ici. Je l'ai renseigné dans les scripts à cet endroit-là. Donc j'ai mis mon URL, j'ai mis le nom de ma feuille Google Sheets, suivi HTTP statut. Là on voit suivi HTTP statut en bas. Et puis ben, on va patienter et normalement ça va se remplir. J'espère. Alors pour Pourquoi ça marcherait pas? l'instant, une petite point-virgule que j'aurais raté ou des choses comme ça. Ce que j'utilise par ailleurs, mais bon, je ne peux pas montrer forcément les sites clients, donc j'ai essayé de préparer des trucs plus ou moins anonymisés. Alors, attends, Le est-ce que. Patrice Carmouze SEO, tu sais? Ouais, c'est ça. Ou l'effet Bonaldi aussi. GetTime aide, déclencheur horaire, intervalle en minute, toutes les minutes. Bon, bah. Non, mais ça va venir, mais hey, sois patient un peu, une minute, c'est une minute quand même. Je crois qu'il faut attendre. Et alors,
L'intérêt, c'est que là, je ne l'ai pas, mais le petit bonhomme dont je vous parlais, je dis petit bonhomme parce qu'il a l'air sympa, hein, c'est pas du tout par rapport à sa taille. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un script qui permet de monitorer justement le statut HTTP sur une URL de façon régulière. Et dès que ça change, bah, ça vous en envoie une alerte par email. Alors bon, il faut que ce soit un site qui soit relativement stable parce que s'il plante une fois sur deux, vous allez être spammé. Mais sur des URL qui sont un peu stratégiques, bah, c'est hyper sympa d'activer ça. Et puis, dès qu'on a un plantage, bah, ça permet directement de remonter l'alerte au client. Et le script, je crois que Après, vous pouvez aussi, voilà, c'est un marché. l'URL ici, voilà, ça s'appelle Website Uptime Monitor. Et donc, il a une feuille Google Sheets qu'il faut dupliquer, renseigner l'URL, renseigner son adresse mail. Et en plus, on peut loguer les temps de up et de down dans Google Analytics directement. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper pratique. Je ne sais pas si je peux mettre les trucs dans le chat aussi, Fred. Ouais, tu peux, ouais, complètement. Allez, je mets la petite URL, ça fait plaisir. Sinon, tu peux mettre aussi dans le chat Zoom, et puis je renvoie sur les deux chats. Bah, voilà, ok. Donc là, tu l'as mis sur Twitch, je vais balancer dans YouTube pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et puis sur Facebook, je sais pas s'il y a des gens. Il n'y a personne? Non. Allez, on va quand même la mettre dans Facebook pour les gens qui seraient potentiellement. Il y a deux spectateurs quand même. Bonjour Facebook! Alors attends, mon déclencheur, ça a fait l'effet taux d'erreur zéro, basé sur l'heure. Ah ben voilà, j'ai pas d'erreur. Et donc, je vais ouvrir mon petit onglet suivi HTTP statut et hop, on voit qu'il m'a déjà logué trois lignes. Alors, il y a Et une les... question de C2.34 qui est un peu coquine. Le fait que l'on passe par Google Sheet permet d'éviter d'être blacklisté par Google, point d'interrogation. C'est une IP GG Sheet qui requête, point d'interrogation. Ouais, alors c'est une IP Google Sheets qui s'appelle... La plage d'IP, c'est 38 points quelque chose. Après, blacklisté par Google, je ne sais pas à quoi Bah, penser. blacklisté par Google. Pour faire Pour des faire points et des... du monitoring de ranking, par exemple, pour attaquer Google directement. Ah ouais, alors je crois qu'à un moment, il y a... Y a des... c'est avec les limites, à un moment, on pouvait. Et il me semble qu'il y avait eu des restrictions. Mais je sais que sur les commandes google.fr, etc., avec site 2 points et compagnie, j'avais fait des trucs, mais il me semble qu'il y avait eu des restrictions. Il y avait pas mal de gens qui avaient sorti des articles à l'époque, justement, comment suivre ses rankings dans Google Sheets. Mais ces fonctions sont limitées. Il y a des limites de requêtes de URL fetchApp. Et donc, on va regarder ensemble, hein, URL fetchApp. Ouais, non, mais puis même, de toute façon, les IP, elles sont très rapidement blacklistées. Tu as des plages horaires pendant lesquelles, alors tôt le matin, très très tôt le matin, tu peux avoir des chances, mais en fait, il y a tellement de gens qui le font que les IP, elles sont blacklistées, même si c'est des IP Google. Là, on peut faire, en tout cas, en requête URL fetchApp, c'est 10 000, c'est 20 000 par jour. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que c'est vraiment. Alors, effectivement, c'est Google Sheets. Là, ah, j'ai une ligne qui est apparue en live, donc c'est cool. J'ai mon code réponse et donc on peut le plugger à plein de trucs. Mais vous allez vraiment pouvoir automatiser comme on le fait sur Unix avec un cron ou. Je sais pas, jamais su si on disait cron ou cron, cron. Moi, Il y je en a dis qui. Chrome, mais... Cron, bref, on peut lancer des scripts à des intervalles réguliers quand on s'intéresse un peu à tous ces URL fetchup. Il y a moyen de faire des trucs super rigolos. Alors, juste petite question, parce que je sais que Google Sheets, dès que tu commences à dépasser un certain nombre de lignes, c'est juste ingérable, voire même, bon, ça plante total. Tu t'es déjà arrivé à ces extrêmes-là ou pas? Non, alors j'ai un suivi qui est. Après, là, les trucs, je ne les fais pas forcément toutes les minutes. C'est sûr que si tu fais des requêtes toutes les minutes, ça peut vite se remplir. Mais j'ai des suivis, notamment des Core Web Vitals, qui se font. Là, je les avais mis en pause, mais qui se faisaient bien régulièrement. Et j'avais eu pas mal de colonnes qui avaient été ajoutées. Je n'avais pas eu de problème, de Ok. mon Non, côté, en tout cas. parce que j'ai déjà fait tenter des imports de plus de 100 000 lignes et c'est juste l'enfer, ça ne marche pas en fait. Oui, ça devient un peu ardos, Ouais.
Donc voilà, petit suivi pratique. Et là où on monte d'un cran, hein, j'ai ressorti un vieux script que j'avais fait à l'époque, mais c'est vraiment pour vous donner des idées. Le but, c'est toujours que ce soit utilisé à des fins utiles, hein, et le spam vous rattrapera un jour, donc pas de bêtises. Vous montrer. Toc. J'ai un script qui s'appelle Send Data. Et donc là, je ne l'ai pas automatisé, hein, mais c'est vraiment pour montrer, c'est un peu le POC. J'ai rentré un nom d'auteur, une adresse email, une URL, un commentaire, un post ID qui correspond à un site WordPress qui est le mien en l'occurrence, que je vais ouvrir. Et Mais donc, oui, en. Olivier, c'est pédagogique, bien sûr, oui. Oui, toujours avec moi. Moi, je suis pas un, enfin, je suis pas un méchant, je suis un gentil. On a SyPy qui nous propose le tool, un tool utile dans la thématique, crontab.guru. Je vais le reposter dans YouTube. Hop. Ah oui, pour ok, pour je vois. Pour déclencher des actions à horaire régulier, t'appelles une URL. Avec la petite syntaxe qui va bien. Perfect. Donc là, j'ai paramétré un peu tous les champs de mon formulaire de commentaires qu'il y a ici. Donc là, on peut laisser un commentaire. Moi, je suis connecté, mais normalement, il y a les champs, trucs bidules, nom, adresse mail et URL du site. Alors, ça ne marche plus, hein, parce que tout est en nofollow maintenant, mais c'était à l'époque, j'avais fait ça pour rigoler, pour montrer qu'on pouvait spammer avec Google. Et donc, l'idée, bah, c'est que en exécutant cette fonction, Google Sheets va appeler cette URL WordPress Comment Post. Et donc, va faire du post et va poster le nom de l'auteur Emric, cet email-là. Donc là, je vais me connecter juste à mon admin pour vous montrer en live. Donc ça peut être intéressant pour remplir des formulaires ou autres. Mes commentaires, c'est là. Donc là, j'ai mes derniers commentaires. Donc c'est Jean-Benoît, moi. Je vais exécuter mon petit script. Ici présent. Non, Wazweb, ça passe pas les captchas, non. Non. J'appuie sur exécuter. Exécution démarrée. Je retourne dans mes commentaires de blog. Hop. Emric, merci pour ton article. C'était vraiment très intéressant. Spamco AdSense. Et là qu'on voit l'adresse IP qui est envoyée, donc il doit être une adresse IP de Google Sheets. Et voilà, juste avec un petit bout de code, j'ai pu poster dans un formulaire. Donc vous pouvez imaginer tout un tas de choses. À l'époque, ça pouvait servir pour des soumissions formulaires sur des annuaires gratuits ou des choses comme ça. Mais ça peut permettre d'automatiser des tâches. Donc là, toute la fonction, elle est là. Après, vous débrouillez pour en faire ce que vous voulez. Mais c'est juste pour montrer qu'il peut y avoir une utilité à faire des choses avec cette fonction de post qui est disponible dans Google Sheets. Et pour aller encore plus loin, alors là, c'était vraiment en mode netlinking qu'on peut l'utiliser. On peut envoyer des emails aussi avec Google Sheets. Je l'avais utilisé notamment. Pour le SEO Camp, et ça c'est hyper utile, quand je gérais le comité édito, il fallait que je contacte tous les conférenciers à chaque fois pour leur dire dans quelle salle ils allaient intervenir, à quelle heure, que je leur envoie les dernières infos, etc. Et je me suis rendu compte que quand j'envoyais des mails, bon, ça concerne tout le monde, hein, je vise personne, mais quand j'envoyais des mails un peu standard, pas personnalisés, personne ne les ouvrait, et on me demandait, Emric, c'est quoi les infos pour le SEO Camp? Mais par contre, quand j'envoyais des mails avec des sujets un petit peu
personnalisé du genre Fred, voilà les infos concernant le SEO Camp et ta conférence, eh ben, j'avais beaucoup plus de réponses. Et donc, l'idée, ça va être, bah là, c'est une petite fonction pareil qui s'appelle Send Mail. Donc, elle est déjà écrite, hein, il y a juste à la récupérer telle quelle et à la modifier. Et en gros, on va se positionner dans la feuille Google Sheets active. Donc là, je vais me mettre dans celle-là, envoi d'email. Je ne sais pas si tu as une adresse email publique d'ERF ou tu as peur de te faire spammer si on te... Non, fred@tricaia.fr, je la donne régulièrement, je m'en fous. Tricaia.fr. Ok, et donc j'ai une colonne avec le nom, le sujet de la. Alors là, c'était le sujet du mail, hein, mais quand je l'envoyais pour la SEO Camp, il faut s'imaginer un fichier avec une colonne avec l'heure de passage de chaque conférencier, une colonne avec le nom, le prénom. Je ne sais plus ce que j'avais rajouté d'autre, mais j'avais rajouté plusieurs variables, donc j'avais plein de colonnes. Et puis j'écrivais un message, salut Emric, voici un petit mail de test, donc tout simplement concaténer différents éléments. Donc là, je vais mettre Fred, hop. À propos de... Joli, hein, ce qu'il vient de faire quand même, hein. Je sais pas si tu as vu quand tu as continué, il a remplacé Emric par Fred, hein. Ah ouais. Ouais. Bah, tu viens de le refaire, là. Il a compris que la colonne de gauche, Compris, ouais, que c'est... je voulais. Et il fait ça Excel des fois, c'est vrai. Ah non, mais tu avais concaténé, pardon. Non, 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 je Ah, tu croyais pensais que qu'il l'avait c'était un compris auto-completion? automatiquement. Ouais. Ah non, non, j'avais concaténé. Donc voilà, donc j'ai nom, Emric, Fred, à propos de ton intervention, Emric, machin. Donc voilà, bon là, c'est pas vraiment personnalisé, mais c'est juste pour faire la démo. Et donc, je retourne dans mon petit script et je lui dis que ça va de 1 à 4, ligne de démarrage, récupérer ligne concernée, toc, toc, toc. Et j'ai deux lignes à traiter. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'était la ligne que je ne retrouvais pas, pardon. Et donc là, j'ai fait exécuter. Et une fois que... Quand vous le faites pour la première fois, vous avez juste une demande d'autorisation de Google Sheets qui dit attention, il y a une application qui veut se connecter à votre compte Google, parce que l'intérêt d'utiliser cette fonction, c'est que c'est votre adresse email Gmail qui envoie le mail. Voilà. C'est-à-dire que si jamais vous envoyez le mail à quelqu'un qui n'existe pas, bah vous allez recevoir le message d'erreur sur votre boîte mail. Donc là, Et donc, j'exécute. ça répond à l'intervention de Olivier qui dit le taux de délivrabilité ne doit pas être terrible. Ben si, justement, parce que c'est Bah, il est Gmail canon. qui envoie en fait. Hein. Ce n'est pas un SMTP à la con, c'est directement Gmail. Gmail. Et donc, je ne sais pas si Fred, tu as reçu ce mail extraordinaire dans ta boîte. Je déconnecte la boîte. J'ai bien reçu ton mail. Voilà, pas dans les spams, tout ça, normalement. Donc, hyper, hyper pratique. Notamment, je l'avais utilisé pour du netlinking, pour contacter. Alors, c'est pas les mails qu'on n'aime pas recevoir. Hein. Je faisais des trucs. Un peu sympa quand même, mais enfin, je parle des mails des gens relous là, qui demandent des liens et qui savent pas faire et qui nous empoisonnent la vie. Bah, j'utilisais ça pour contacter des sites directement avec des propositions de sujets ou autres et ça avait plutôt bien marché. J'avais gagné pas mal de temps plutôt qu'à chaque fois de copier-coller le mail, de changer les termes. J'avais une colonne nom du contact, une colonne adresse du site. Le sujet que je voulais proposer au site, j'avais juste à donner la formule. Il faut s'imaginer. Là, je l'ai fait pour deux lignes, mais j'en aurais eu 100, ça aurait été la même chose. Donc voilà, c'est hyper, hyper utile. Vous allez vraiment pouvoir faire des trucs rigolos. Bien, je vous enverrai quelques ressources qui sont hyper pratiques ici. Voilà. Il y a ouais, sur Moz, Search Engine Land, il y a pas mal de propositions de scripts qui s'intègrent à Google Sheets et qui font des trucs pas mal. Et à WazWeb qui demande si tu peux envoyer au format HTML. Très bonne question, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il faut creuser la fonction qui est utilisée, à savoir MailApp. Je ne sais pas
pas si elle supporte le HTML. HTML body. Ah ben voilà. Donc oui. On peut faire du HTML. Donc ça, c'était pour Google Sheets. Waouh, j'ai fait qu'une seule slide. Surtout. Quel grand malade. Bon, voilà mes outils préférés. C'est trop cool. Bref, je vais avancer. Là, ce dont je voulais vous parler, c'était un peu de la reconnaissance du terrain quand j'arrive sur un nouveau site. Là, on y a vu les outils et c'est vrai que parfois, on me dit, tiens, Aymeric, nouveau prospect, faut faire un audit pour tel ou tel site. Et j'aime bien faire un peu de reconnaissance du terrain tout de suite pour voir le site, comment il est structuré et éventuellement aller détecter des trucs que mon client ne sait pas, notamment au sujet des sous-domaines. Pour commencer, je voulais juste vous dire et vous mentionner le fait que la commande site de point, quand on la retourne dans tous les sens avec des moins in URL, des in title, etc., et surtout quand on va loin dans la pagination, eh ben, on trouve toujours des bébés. Et c'était un peu mon feeling. J'avais déjà eu le cas avec quelqu'un qui me disait « Ouais, Aymeric, moi, la première chose que je fais quand je fais un audit, c'est que je lance un crawl. » Moi, ce n'est pas forcément la bonne approche parce que lancer un crawl sans même connaître le site et savoir de quoi il parle, ben, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller loin, loin, loin dans la pagination de Google avec site de point et on trouve toujours des petits miracles. Alors, des petits trucs pas bien hein, parfois. On va voir Fred hein, s'il y a des choses à dire. Ouais, moi je fais pareil, hein. Je vais jusqu'à la page 10, pareil. Oui, voilà, tu vois, chercher, y a de la merde. Tiens, de la duplication, tout ça. Donc, il y a de la merde. Bon petit réflexe. Et puis, ce que je faisais à une époque, mais ce que j'ai arrêté de faire parce qu'il y a des outils vachement pratiques qui me facilitent la tâche, c'était, tiens, je vois, je vais sur. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Un site. Bon, j'ai pas d'idée là, je suis à sec. Allez, Conforama. 3W. Donc là, je fais moins in URL 3W. Ok, donc je vois qu'ils ont un blog. Moins in URL de point blog. Tout ça pour écrémer, tiens, avec ils ont un CDN, ils ont objectifsommeil.conforama, truc bidule, ils ont media.conforama. Donc au fur et à mesure, on élague et puis on découvre des sous-domaines, mais c'est un petit peu fastidieux. J'en avais parlé à l'époque à Didier Sampaolo qui avait fait un petit script justement qui faisait cette boucle hein, avec site de point mais avec les captcha et tout, c'était pas hyper pratique. Et donc je me suis dit bah il y a pas un moyen plus simple de trouver tous les sous-domaines d'un nom de domaine et puis après éventuellement regarder s'ils sont indexés, s'ils gèrent de la duplication ou même faire des bonnes trouvailles. Ça m'était arrivé une fois de trouver un sous-domaine qui était un sous-domaine d'un jeu concours d'un client et alors qui remontait sur certaines requêtes jeu concours plus marque et on s'est rendu compte que bah, ce site qui était un peu tout seul dans la nature faisait même pas de lien vers le site principal, un peu ballot. Mais si j'avais pas utilisé toutes ces commandes site de point avec des moyens URL ou autre, bah, je serais jamais tombé sur ce site de jeu concours. Et donc ce que je voulais vous proposer là, l'idée c'était d'utiliser ce qu'on appelle l'open source intelligence. Est-ce que c'est un truc qui te parle, Fred ? Est-ce que tu as déjà vu ? Non. L'acronyme OSINT. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, donc faut pas que je plonge trop là-dedans. Mais juste le principe, c'est tous les éléments que vous avez à disposition sur le web. Donc là, c'est un site qui liste bah, tout ce qu'il y a de disponible sur le web gratuitement. Et c'est vraiment aller chercher des données qui sont de libre accès sur Internet. Il faut savoir que c'est des outils qui sont utilisés parfois par la police ou autre pour remonter des trucs. Et moi, en l'occurrence, je l'utilise pour les noms de domaine. Et on voit que dans les noms de domaine, bah, y a une entrée sous-domaine. Et du coup, bah, on a tout un tas d'outils
qui permettent de trouver tous les sous-domaines d'un nom de domaine. Et donc, c'est là-dedans que je suis allé chercher. Je vous recommande de vous intéresser à ça parce que on peut récupérer plein de data. C'est assez intéressant et c'est surtout assez flippant parce que parfois, il y a des outils qui permettent de récupérer des trucs. Donc là, on a les moteurs de recherche sur les personnes. Touk, voilà, on a tout un tas de trucs. Donc à chaque fois, on a le lien. Hein. Et c'est un peu flippant. Et là, en l'occurrence, moi, ça me sert pour voilà, trouver tous les sous-domaines de mes clients. Et donc, j'utilise un petit tool qui s'appelle Aquatone, que je vais vous montrer alors dans ma console parce que c'est sous Linux, si je l'ai là. Donc, j'ai installé un outil qui s'appelle Aquatone et en gros, je le lance sur mon site pour ne pas avoir de problème. Et donc, il va faire appel à... Ah tiens, j'ai mis une étoile de trop, je crois. Et donc, il va faire appel à tout un tas de services externes. Il va les requêter. Alors parfois, c'est des services externes de sécurité web. Il faut rentrer des clés d'API. Il va se connecter à la Wayback Machine. Ouais, Il au va se... DNS aussi, justement, j'étais dans IntoDNS juste avant, je voulais voir si on trouvait des enregistrements CNAME qui correspondaient, mais il n'y en a pas pour Conforama. Parce que les CNAME, en fait, j'aurais ils dû sont... continuer sur Conforama, mais après, si jamais je veux pas avoir un souci avec eux, si Ouais, je il n'y a pas de dois raison. découvrir. C'est un peu long parce que parfois, je n'ai pas rentré les clés d'API. Et au final, ça va me lister tous les sous-domaines. Et c'est là où vous allez trouver potentiellement les fameux pré-prod, les fameux bêta.nomdomaine.com, tous ces trucs-là qui peuvent poser des soucis. Et puis parfois des pépites, des mini-sites dont on ne soupçonne pas l'existence qui peuvent servir à faire de l'échange de liens, à faire du netlinking. Qui sont parfois très puissants. Ouais. Donc, c'est assez. Alors, pareil, un Shodan, je crois que c'est un outil de sécurité. Il y a moyen de rentrer plein de clés d'API. On va attendre. Alors, dictionnaire, il fait de la force brute. Je pense que j'ai un wildcard sur mon nom de domaine. Et la Wayback Machine. Donc, il a trouvé 9 noms d'hôtes sur la Wayback Machine. J'espère qu'il n'y a pas des trucs top secret. Ah ouais, non, mais s'il résout les 8215 unique hosts qu'il a trouvé en force brute, ça va pas le faire. Ouais, ben après, ça, c'est des outils de hack, hein, donc, enfin, de hacker. Ça prend un peu de temps, mais. Voilà. Parfois, des bonnes découvertes, et c'est juste que par rapport à la petite commande site de points, ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc là, je vous ai parlé d'Aquatone. Et il y a un site qui est un site de sécurité qui permet déjà d'en trouver pas mal sans se connecter. Ça s'appelle securitytrails.com. Et donc là, en se connectant au site Amazon.fr, donc on a pour Amazon.fr tous les records qu'ils ont au niveau de leur nom de domaine et puis tous les sous-domaines. Donc là, ils me disent qu'ils en ont 227 et l'outil me liste que les 50 premiers. Mais voilà, ça me permet déjà de découvrir pas mal de petites choses. Donc pour vos clients ou pour vos sites, parfois on peut aussi découvrir des trucs auxquels on ne pensait plus qu'ils sont encore là et qui serait bien de supprimer. C'est clair. Voilà pour cette petite prise de température avec les sites web. Juste une petite question qui a été posée tout à l'heure par Olivier. Est-ce qu'il y a des webhooks sous Gshit? Alors, je ne sais pas ce qu'il appelle webhook, Moi non plus. hein, mais... Ok, si tu peux préciser, Olivier. Stratégie SEO. Donc là, je voulais vraiment vous montrer le truc là que j'avais évoqué avec toi, Fred. C'était quand tu arrives sur un site, tu as du mal à comprendre comment il est structuré. Et souvent, on mélange à tort, hein, on mélange le maillage interne, le menu, l'arborescence, le fil d'Ariane, tout ça, sachant que l'arborescence, elle est souvent représentée dans le fil d'Ariane, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, le menu, ce n'est pas forcément représentatif de l'arborescence d'un site, parce que dans le menu, on peut y mettre ce qu'on veut, on peut mettre des pages qui sont pas forcément, qui font des sautes dans l'arborescence. Ah ça, les gens, ils ont du mal, hein. C'est toujours hyper compliqué de faire cette subtilité.
Et moi, je rapproche toujours l'arborescence maillage interne parce que ça reste intimement lié pour des besoins de sémantique. Et je tire mon chapeau à Mathieu Garbrand qui m'a appris à voir bien les arborescences. Et il est capable, c'est le seul mec qui soit capable en moins de 10 minutes de faire une arborescence avec une centaine d'entrées sur une thématique prise au hasard. C'est assez incroyable. Il avait fait une démo à SEO High Level et chapeau Mathieu. Et donc, il m'a appris vraiment à avoir cette habitude de visualiser les éléments dans XMind ou autre. Et puis, je me suis dit, il y a quand même un truc qui est bien sur un site web, c'est le fil d'Ariane. Fil d'Ariane, c'est quand même un bon indicateur. Alors, je ne sais pas si tu as un fil d'Ariane sur ton site ou pas, Fred. Pas de fil d'Ariane. Quel site je pourrais, un site pas trop gros que je pourrais crawler pour montrer le scrap du fil d'Ariane. Ouais. Ah ouais, ou sinon je mets un échantillon, ouais. Ok. Produits, est-ce qu'ils ont un beau fil d'Ariane? Ok, donc là je pourrais me dire, je vais utiliser le fil d'Ariane pour visualiser l'arborescence. Et en gros, l'idée, ça va être de crawler le site, de récupérer le fil d'Ariane sur toutes les pages, de faire des petites bidouilles dans Excel pour à la fin arriver sur une carte XMind, une carte visuelle qui me permette de voir comment mon arborescence est structurée par rapport au fil d'Ariane. Donc, ce n'est pas forcément représentatif, mais dans la majeure partie des cas, c'est quand même relativement proche. C'est clair. Alors, ah oui, qu'il l'affiche, ouais, c'est clair. Alors, j'ouvre mon petit Screaming Frog. Ah ouais, mais je parle dans le vide en fait. Il y avait le téléphone qui sonnait, j'avais mis le micro, pardon. Non, mais il n'y a pas que sur Twitch que vous m'entendez plus, vous inquiétez pas. C'est bon là, Fred? Ouais, c'est bon. Non, voilà, j'ai tout ce que j'ai dit sur le breadcrumb, c'est tombé à l'eau, on s'en fout. Alors, le voilà, petit Screaming Frog. Ah oui, non, vous ne le voyez pas là, pardon. Donc, je mets l'URL du site. Je vais dans la configuration. Je ralentis la vitesse pour pas être trop méchant. Ouais, Allez. par contre, faut que tu mettes Googlebot. Ah, ok. C'est Datadome, mais il va pas t'embêter si t'es Googlebot. Ok. Enfin, faut que Et j'arrête de le dire, à un moment, il embêtera. Mais... custom extraction. Et donc là, je mets mon breadcrumb et mon espace qui est. Alors attends, c'était quoi que j'ai vu? C'était une classe, hein. UL class machin slash li. UL class égale. Voilà. Je ferme mon crochet, slash li. Et donc là, je vais extraire le texte. Petite précision par rapport à ça, parfois, ça arrive de récupérer des fils d'Ariane qui sont un peu cassés, c'est-à-dire que dans le code HTML, il y a des espaces, il y a des retours à la ligne ou des choses comme ça, et lui, il va le récupérer, Screaming Frog, et c'est un petit peu embêtant. C'était ça le petit plus que je voulais vous montrer dans Screaming Frog, c'est qu'on peut utiliser des fonctions. Les fonctions XPath. Et dans les fonctions XPath, pardon, il y en a une qui s'appelle normalize space. Et du coup, si vous englobez comme ça
votre chemin qui se passe et que vous mettez normalize space, eh ben, il va récupérer un fil d'Ariane en supprimant les retours à la ligne et les espaces, qui parfois bah, justement posent des problèmes puisqu'on a espace, 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 accueil, ou alors accueil, retour, retour à la ligne et puis rien derrière. Et donc ça met un peu le bazar dans le fichier Excel. Il y a également une autre, tant que j'y suis, il y a une autre fonction qui est hyper utile qui s'appelle count et qui permet de compter un élément. Donc là, bah, ça va me compter le nombre de LI que j'ai, potentiellement mon niveau de profondeur par rapport au fil d'Ariane, mais je m'en sers sur des sites qui listent des produits, mais qui listent pas forcément le nombre de produits, qui dit pas, tiens, il y a 23 produits dans cette page, ou alors c'est une page qui contient 14 articles. Et donc, je vais compter le nombre d'éléments ou de commentaires ou autre, pareil, pour connaître le nombre de commentaires, et cette petite fonction count d'XPath est assez utile. Parenthèse fermée. Donc, mon breadcrumb, je lance mon crawl. Après, on va faire une petite manip dans Excel pour arriver. Alors, comment j'en suis arrivé là? Je me suis rendu compte que dans Xmind, qui est un outil Attends, gratuit, attends, attends, que attends, je parce que je suis pas vous sûr qu'il soit bien déroulé. T'as mis Ah. Googlebot ou pas? Allô? Ouais. Ah, c'est mon Screaming Frog Ouais. qui... Est-ce que t'as mis Googlebot? Ah, c'est bon. Googlebot, ouais. Allô? Ouais. Ouais, en fait, quand il crawl Screaming Frog, il me coupe parce qu'il utilise trop de ressources et du coup, j'entends tout en haché. Ah, pourtant, tu avais limité le nombre de requêtes. T'as dit quoi, Fred? Je disais pourtant, tu avais limité le nombre de requêtes. Ouais. Alors attends, j'appuie sur Start 10 secondes et puis on va faire avec les datas qu'on a. Et puis tant pis, ce n'est pas exhaustif. Je vais juste vérifier que j'ai bien un début de fil d'Ariane. Ah ouais, mais pour l'instant, j'ai qu'un premier niveau, quoi. Donc ça ne va pas aller, ça va pas aller chercher très loin. Ah, c'est pas grave, résume. Touch. C'est étonnant hein, qu'il n'ait pas encore de trucs sur deux niveaux. Il y a peut-être encore des sauts de ligne. Hein. Ah oui, parce que t'as pas normalize. Ah, attends, Bah, c'est le bon exemple. Hein. j'étais en function value. Ok, allez. Je recommence. Je n'avais pas modifié ça. Ouais, ce qui est rigolo avec Xmind, c'est qu'on ne peut pas, dans la version gratuite, on ne peut pas exporter dans différents formats. On est un peu restreint. Excel, il faut la version pro, etc. Mais en fait, tu peux copier-coller. Donc, ça revient au même. Tu peux copier-coller et puis tout mettre dans Excel. C'est pas faux. Donc Bon, là, enfin, tu peux aussi payer la version pro. oui, bien sûr, mais bon, là, toc. Bon, je fais juste un truc vite fait pour vous montrer le principe. Là, quand je copie-colle dans Excel, ça me donne quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est sous la forme d'un escalier. Je fais, ah, mais attends. Ça veut dire que si j'arrive mon fil d'Ariane à le représenter sous cette forme-là, c'est-à-dire à chaque fois que je rentre dans une entrée, ne pas avoir le chemin précédent et que ce soit vraiment sous la forme d'un escalier. Là, je ne sais pas si tu vois bien Ouais. le concept entre les deux. Bah, du coup, je vais pouvoir copier-coller ça et puis à l'inverse, le remettre dans mon Xmind et donc avoir une visualisation de mon arbo. Et donc là, tu vois, j'ai vidé. Je fais mon contrôle V. Ah oui, sauf que moi j'avais Home, mais si je reprends dans Excel juste ces éléments-là, hop, ça me fait mon arbo, donc super pratique. Donc là, la manip qu'on est en train de faire,
c'est de prendre le fil d'Ariane. Ce qui m'a donné un peu plus de breadcrumb, d'éléments là. Toujours pas, hein. J'ai que. Non, mais clique quand même dans la cellule à droite, dans ton breadcrumb 2. À mon avis, tu as des sauts de ligne. Je ne le vois pas, le breadcrumb 2. J'ai même pas de colonne breadcrumb 2, c'est ça qui est chelou. Reviens voir ton XPath. Ouais. Pourtant, ça devrait. Bah ouais. Attends, je vais prendre un autre site. Je sais pas, est-ce que j'ai. Est-ce que sur mon blog, j'ai un breadcrumb? Bonne question, est-ce que j'ai un fil d'Ariane sur ce site? Non. Non? Ah, si, je sais pas. Regardez. Ah, si. Ah si, j'en ai un. Bon, allez, je vais crawler mon site. Hein. Ce sera peut-être moins représentatif, mais au moins, on pourra voir le pourquoi du comment. Alors, mon XPath à moi, c'est quoi? Mon XPath, c'est. Wow, il est chelou ce XPath. C'est quoi P span span On dispense. span pardon. Ok. PID breadcrumb. Ok, donc je vais faire slash slash P entre crochets ID égale ça. Slash spawn. Slash spawn. C'est un clin d'œil à Kevin Richard. Ah. Allez, petit nettoyage. Il n'y a pas de quoi.com. Ah, il Ouais, m'a tout. j'étais sûr qu'il allait te faire ça. Il va me faire ça. Bon, c'est pas grave, je vais quand même le parser après. On verra ce que ça donne. Après, tu peux l'importer dans Excel et puis faire une Ouais, je vais le séparation. splitter avec les. Ouais, exactement. Ça va bien marcher. Bon, allez, est-ce qu'on dit qu'on en a déjà pas mal? Ouais, c'est bien. Allez. On va exporter tout ça. J'avais même créé un dossier hein, Ouais, je vois pour ça, hein. toi. Organiser, organiser. J'ouvre mon petit fichier Excel. Et donc là, custom extraction. Donc, je vais. C'est peut-être un peu petit à votre écran. Je vais splitter. C'est supprimer les doublons. Ensuite, convertir. Délimiter. Donc, il n'y a pas de quoi. On peut le faire sauter. Alors après, j'ai les noms d'articles aussi, donc c'est peut-être pas forcément. Parce que là, j'ai qu'un seul niveau, donc ça va pas forcément être hyper intéressant. C'est dommage que j'ai pas deux niveaux. Là, si, tu as plusieurs niveaux parce que tu as plusieurs catégories B. Enfin, c'est pas grave. Ça va, Ouais, bon, je vais faire comme si, imaginons qu'on a plusieurs niveaux. Voilà. Ah, tu n'as On pas a plusieurs niveaux, les tu as articles plusieurs sont des. catégories. Exactement, les articles sont des sous-catégories, on va faire comme ça. Et donc là, une petite manip des familles. Alors, ne me demandez pas comment j'en suis arrivé là, mais j'ai essayé plein de trucs et ça ne marchait pas. Du coup, je suis resté sur le même concept. En gros, ce que je fais, c'est que je fais un tri où je trie la colonne A. Alors attends, tu veux nous faire gagner du temps? Je vais t'apprendre à gagner du temps. Fais annuler. Vas-y. Ouais, tu cliques juste sur level 1 là. Juste la case level 1. Ah, ok, vas-y. Accueil.
Mettre sous forme de tableau. Tu choisis ce qui te plaît. Mon tableau, ah, il comporte des entêtes. Ok. Et là, tu as directement tes outils de tri. Et là, tu es sûr que tu vas plus inverser des colonnes, machin, des lignes. Parce qu'en fait, quand tu as plusieurs colonnes, j'avais un souci d'inversion parce qu'il faut que ça marche par ordre alphabétique. Ouais, bien sûr. Et donc justement, moi je fais quand je chope un tableau Excel quel qu'il soit, je fais toujours ça en premier. Déjà, ça augmente la lisibilité, et puis après, t'es tranquille, tu sais qu'il va plus bouger. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas les niveaux sans rien. Attends, je vais juste les rajouter. Mes niveaux d'arbo, je pense qu'il n'a pas tout collé, c'est pour ça, donc je supprime juste le plomb. Ah non, c'est pas là. Ah, mais Mais... tu peux pas faire comme ça là. Attends, je vais juste. Pourquoi j'ai Ah, encore des plombs là? tu vas te galérer là. Qu'est-ce qui m'a ressorti là? Tu dois avoir un espace ou une connerie. Ah ouais. Ah, c'est juste l'astuce SEO qui déconne en fait. Les autres, c'est bon. Coller les valeurs. Ah, c'est l'effet live. Hein. Ça marche jamais du premier coup. Bon, alors vas-y, reviens dans hall là. Là, tu... Ah, Non, c'est vas-y, bon. enlève, Ça, c'est enlève, ce que je. enlève ton truc là. Non, mais c'était ce que je voulais pour arriver à mon affichage en fait. Ouais, mais tu vas te galérer parce Comme. que tes level 2, ils vont plus appartenir au bon, à gauche. Non, mais en fait, comme là, ce qui se passe, c'est que mon crawl, comme je l'ai arrêté, il n'a pas crawlé la page juste astuce SEO, la page de listing. Mais Ah. là, juste les pages de catégorie, en fait, c'est pour ça. C'est plus parce que j'ai arrêté le crawl un peu vite, quoi. J'ai compris. Justement, l'idée, c'est de faire un tri. Bon, après, quand je le faisais en ordre inversé, ça marchait mieux. Toc. Et donc là, à chaque fois, j'affiche tout ce qui contient quelque chose et je supprime ce qu'il y a. Ah ouais, non, c'est pas ça. On va y arriver, ça va aller. J'ai oublié de faire un truc incrémental comme ça. Non, parce que tu aurais dû mettre 2. Ah, tu peux faire ça. Ah, je ne connaissais pas ça. Ok. Parce que sinon, tu fais 1, 2, et tu sélectionnes les deux premières, et après, il a compris que c'était incrémental quand tu prends le petit carré. Ah oui, quand tu tiens. Mais Et là, là, il faut étendre ton tableau, par contre. Enfin, bon, ça dépend si tu veux le trier ou pas, comment on mais... fait pour l'étendre le tableau? Bah, en fait, tu vas dans Création de tableau, tout à droite. Voilà, et puis là tu peux faire nanana, redimensionner le tableau. Voilà. Ah Et oui, ok. puis. Merci, bah tu vois, là, pour un truc. Et donc là, il faut juste que je fasse du plus grand au plus petit. Voilà. Et donc là, je commence à avoir ma forme en escalier, c'est-à-dire que j'ai astuces SEO, ensuite j'ai mes titres, crawl et indexation, ensuite j'ai mes titres. Et donc c'est vraiment cet affichage que je voulais. Sauf que comme on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'on ait Un escalier, mais un des escalier zones vides à gauche. et des zones vides à gauche. Donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne tout ce qui contient du texte. Toc. Là, je supprime tout mon bazar. Et normalement, j'ai ma vision en escalier. Ah yeah. Ah oui, Et c'est pour donc. ça que tu avais besoin de tes catégories vides. Et oui. Ah, j'ai compris. Alors sinon, tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu faire un tableau croisé dynamique. Vas-y, fais CTRL Z. Mais ton astuce, elle est intéressante là. Ok, là OK. tu fais insertion, tableau croisé dynamique. Ok. Et hein, on met tout. Là tu prends level 1. Ouais, level 2. Et en fait tu l'as là, ce que tu veux. Ouais, mais quand je vais, c'est au même niveau. Ah, yes! C'est vrai. C'est ça qui est galère. C'est vrai. Et donc, supposons, alors là, ça va moins le faire parce qu'on n'a pas de On n'a pas trois niveaux, mais dans l'idée, c'est qu'il faut s'imaginer qu'il y a un niveau 3, un niveau 4, un niveau 5 et compagnie. Et donc là, si j'efface ça et que je copie-colle tout mon petit tableau
dans X-Mine. X-Mine. Alors, j'efface mes petits trucs qui ne servent à rien. Je colle. Ça trifouille. Yeah. Et là, j'ai. Attends, structure. Carte équilibrée dans le sens aiguille d'une montre. Voilà. J'ai une petite visualisation de mon site. Alors attends, j'allume juste la lumière parce que j'y vois rien. Attends, je lance un applaudissement. Donc là, il faut s'imaginer, bon, on a le niveau article, mais c'est vrai que quand on a un site avec des facettes, des catégories, des sous-cat et tout, bah, c'est un vrai gain de temps. Il y a juste la petite manip à Excel qui est un peu laquelle il faut se faire, quoi, c'est-à-dire exporter le fil d'Ariane, ensuite trier toutes les colonnes de Z à A, ajouter une colonne, on incrémente les chiffres à gauche, inverser le tri, et on supprime à chaque fois bah, les. Quand on a un niveau qui est plein de contenu, on vide les contenus précédents pour faire cet affichage sous la forme d'escalier. Et la magie opère. Bien joué. Voilà. Donc là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur un site où je ne comprenais rien du tout entre le menu, les liens qu'ils avaient à droite à gauche et le fil d'Ariane. Au final, ils n'avaient pas la possibilité de me faire d'export des catégories de leur CMS. C'était un CMS propriétaire. Et grâce à ça, j'ai gagné un temps fou et j'ai tout de suite compris comment le. Ouais, Comment. et les URL n'étaient pas représentatives. Non, non. Bah ouais, parce que sinon tu peux le faire avec directement avec Screaming Frog si les URL elles embarquent l'arborescence. Mais la Oui, plupart du quand temps, c'est le c'est pas cas, le ouais. cas. Mais ouais. Et donc bravo, c'est ça, c'est une technique. Encore une fois, le breadcrumb, hein, voilà. Ah ouais, c'est bien pratique. Oui, Voilà. Jax Taylor, si le fil d'Ariane est bien paramétré, évidemment. Ouais. Si c'est bien rangé derrière. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte comme ça sur un site sur lequel je travaille en ce moment qu'il y a énormément de contenu qui n'est pas rangé. C'est-à-dire tout est à la racine. Là, effectivement, tu te dis, waouh, gros problème et plein de contenu à réorganiser pour renvoyer du jus comme il faut via le fil d'Ariane. Donc là, on a vu, j'ai fait la petite démo, youplaboum. Et donc juste à l'inverse, en fait, hein, tu peux faire un export Excel de ce que tu as obtenu parce que tu as rerangé les choses sur Xmind, tu refais un export Excel qui est tout à fait exploitable par un développeur pour pouvoir gérer sa base de données. Oui, complètement. Ouais. En copier-collant, pareil. Ouais. Ah, autre astuce sous Xmind, mais qu'il faut acheter si vous en servez souvent, c'est vrai, t'as raison. Mais on peut pas enregistrer sous. Et alors attends, quand tu fais Ouais, enregistrer. alors là, attends, je vais repasser. Vas-y, on voit pas ton écran. Ah, pardon. Ouais, quand on fait enregistrer sous, je peux pas le faire, mais on n'a pas le choix. Le format PDF, il est réservé aux pros. Mais il faut pas oublier qu'on peut imprimer en PDF et que c'est quand même pas mal pratique. Voilà. Et Ouais, donc ça alors fait. sinon, achetez Xmind, voilà. Et puis c'est pas un abonnement, hein, donc. Voilà, non, mais c'était plus pour les gens qui veulent tester. C'est ça. Mais tu as raison. Et après, tu peux exporter au format SVG aussi et balancer ça directement sur le web. Et le client, il est tout content parce qu'il a une map qui est dynamique, qui est zoomable, qui est clean, quoi. Ouais, pas mal d'exports possibles avec la version pro. Donc ça, on a vu. Bon, après, c'était un petit peu pour échanger sur des trucs qui m'agacent toujours et que je vois et qui causent des problèmes. Le duplicate sous-domaine, on l'a évoqué. J'ai vu un truc, je ne sais pas, c'était la première fois que je gérais des sites sous Shopify. Et je trouve ça horrible parce que à chaque fois que tu ranges un produit dans une collection, il te recrée une URL slash collection et je trouve ça catastrophique. Ouais, bah et puis en plus, les listings de produits en fait sont des listings d'URL fantômes qui sont canonicalized d'une autre, et c'est n'importe quoi. Et en fait, si tu as l'accès à ton template sur Shopify, tu peux corriger le problème.
Mais Ah, d'accord. nativement, en fait, il va te faire ça. Et d'ailleurs, nativement, cette bande de nains de chez PrestaShop, on fait la même chose avec la version 1.8. Hein. Ah oui, il y a les mêmes soucis. Ah oui. Ok, PrestaShop, je connais moi. Si tu gères pas, en fait, tu vas avoir pareil des listings d'URL canonicalized. Parce que, en fait, quand tu as des produits déclinés. Et voilà, ça c'est une problématique qu'il faut hooker parce que c'est un problème de base du CMS, quoi. Alors les paramètres d'URL, c'est pareil. Ça met toujours le bazar. Là, on va pouvoir les gérer avec le htaccess si j'ai le temps. C'est quoi l'heure de fin? Il y a une heure de fin ou Non. on peut déborder? Cool. Cool. Et puis, robot TXT mal configuré, mais là, je vous renvoie à un petit article que j'avais fait il n'y a pas longtemps qui expliquait des petits problèmes avec des user agents et tout ça. Tu l'as mis sur y'a pas de quoi? Ouais. Alors attends, je vais le partager parce que ça c'est vachement important et il est très complet ton article. Y a pas de quoi et c'est Et voilà, on découvre. robots.txt ordre de priorité des règles. Exactement, ouais. Voilà, ok. Donc ça, très intéressant. Et souvent, c'est des questions qu'on peut venir à se poser quand on bosse sur robots.txt. Et c'est même des réponses qu'on n'a pas forcément et on fait des conneries sans trop le savoir. Ah ouais, et puis d'autant plus que des fois, j'avais fait l'erreur il y a longtemps, j'avais un robot.txt qui avait user agent étoile et puis des directives. Puis un petit peu en dessous, j'avais user agent Googlebot et d'autres directives. Et donc, on pourrait penser que les directives de Googlebot, il les prend, mais il prend aussi user agent étoile puisqu'il fait partie de l'étoile. Eh ben non. Ben non. Il y a une directive user agent Googlebot, il ne prend que ce qu'il y a dans sa partie. Donc, faut faire gaffe à ça. Mais je vais en reparler des paramètres d'URL, hein. C'est une vraie tannée, ces trucs-là. Ouais. Bon, Google les gère quand même, hein, parce que dans les années 2000, on marchait tout en paramètres d'URL. On ne connaissait pas l'URL rewriting, en fait, hein. Oui, et puis il y en avait plein dans tous les sens, et puis Ouais. inversé, ça faisait enfin. Voilà, donc en fait, Google est tout à fait capable de, même si les paramètres sont dans le désordre, il est capable de recréer l'ordre. Mais bon, vaut mieux que ce soit propre. Ouais, c'est clair. Et puis pareil, sur la pagination, on n'a plus les prev next qui ne marchent plus depuis quelques temps, alors qu'on demandait à nos clients de les implémenter. J'ai encore vu des cas où, si la pagination est mal structurée, bah, il se peut que, sur une série de pages, par exemple de 1 à 8, si la première page fait 1, 2, 3, 4, la deuxième page 2, 3, 4, 5, etc., et puis j'ai déjà vu une pagination un peu tordue comme ça. Eh ben, c'était la page 4 qui était la plus maillée. C'était cette page-là qui remontait dans les certes. Ouais, pas étonnant. Donc ouais, bien faire attention à son maillage et toujours, peu importe les pages de pagination, si la série est longue, toujours un lien vers la première, C'est systématiquement. très intéressant ce que tu dis. J'aurais bien voulu que tu m'envoies le screenshot parce que ça, Alors, je l'ai plus, si tu c'était un l'as exemple. encore. Faudrait que je remonte, c'était à l'époque où j'étais chez Raisonneo. Ouais, c'était assez fou. On pensait à des histoires de canonical mal réglées ou des trucs comme ça. Non, c'était juste le PageRank interne. C'était juste le PageRank interne. Et de la même manière, j'avais eu le site à l'époque c'était sur. Alors, c'était pareil, hein, c'était lié au maillage interne et au hreflang. Et on avait un souci, c'était sur le site de Pixmania sur lequel j'avais travaillé il y a très longtemps. Et en gros, ils avaient un pixmania.com /fr et ils passaient tout sur des domaines langues. Donc pixmania.fr, pixmania.be, pixmania.es, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le pixmania.be, il existait déjà, il avait beaucoup d'autorité puisqu'il était rangé là. Et le .fr n'existait pas. Tout le site fr était sur .com /fr. Et donc quand il y a eu la migration, on s'est retrouvé avec un .fr tout beau, tout neuf qui venait d'exister et un .be qui existait déjà depuis longtemps. Et on avait des URL
.be qui remontait sur google.fr. Donc j'avais envoyé un message à Zineb à l'époque qui était chez Google en lui demandant je comprends pas, j'ai mis mes hreflangs tout bien et ça marche pas. Et puis elle avait regardé, elle m'avait dit ben non, tes hreflangs sont bien paramétrés, c'est bizarre. Je vais voir les ingés et puis je reviens vers toi. Et elle est revenue vers moi en me disant que Google avait d'autres signaux qui faisaient que la page .be remontait sur google.fr. En fait, c'était l'autorité, le linking. Et comme quoi, les hreflangs, c'est bien, c'est un bon indicateur, mais en fonction de l'autorité des sites, ça ne marche pas forcément toujours comme on veut malgré tout. Et le maillage page à page. Entre les pages, oui. Oui, pas le maillage tout vers la home. C'est clair. Oui, ah oui, je vois, ouais, de page à page et pas juste un drapeau où tu vas sur la home.fr et ouais, carrément, t'as entièrement raison. Petit clin d'œil au double brain que nous a envoyé Olivier et ce Holizer ce matin en graphe. Où il a posé la question, savoir si c'était un blog ou un e-commerce. Tu l'as pas vu passer? Non, non, du tout. En fait, il y a un graphe où tu as vraiment deux sphères qui sont totalement séparées, deux univers qui sont totalement séparés. Et je donne la réponse ici, c'est un mauvais maillage international qui renvoie tout sur la home. Donc la home devient le point d'accès central et tu as vraiment deux univers totalement séparés, ce qui ne devrait pas être. Justement parce qu'on fait du maillage page à page en international et non pas tout vers la home depuis toute Tout la vers la page. home, ouais. Voilà. C'est clair. Ah bah, synchro alors. Il faudrait que je retrouve son tweet. Je vais juste évoquer ça rapidement et plan de redirection. Je voulais vous montrer un peu comment je les suis dans Excel parce que c'est un peu mon kiff, les migrations. J'aime bien triturer Apache, tout ça. Et puis, ça me plaît de bien ranger mes URL. Alors, je les range avec le fil d'Ariane, l'XPath et compagnie. Attends, je vais juste répondre à Jack Steller qui nous dit le choix de langue, il faut que ce soit des liens en brut d'ailleurs sur chaque page, de page à page. Oui, il faut que ce soit des vrais liens à Ahrefs en plus de tes linkroll canoniques, pas canoniques, de tes roll alternate. Ouais, et infos complémentaires, ils peuvent être mis dans les sitemaps. Parfois, c'est pratique sur certains clients, comme on peut générer des sitemaps avec plein d'outils. Et on peut aussi mettre des hreflangs dans les entêtes HTTP. Mais bon, là, c'est un peu plus tricky. Exactement. Et ne surtout pas oublier le language, enfin le lang dans la balise HTML. Ah oui, ouais, exact. Ouais, Oula. c'est ultime et principal, ça. Là-haut. Bon là, je vais juste passer ça, mais ce qui était intéressant là-dedans, c'était de dire, on a parfois des redirections qui sont faites un peu, un peu au hasard en se disant, bah, tiens, ça, je ne sais pas à quoi le rediriger, je redirige vers la page catégorie ou la page catégorie d'au-dessus si jamais il manque une catégorie. Et je trouve que Google a vachement amélioré sa gestion. Enfin, est beaucoup plus précis dans sa prise en compte des redirections et des canonicals, et que justement des anciennes URL se retrouvent encore indexées. Pourquoi? Parce qu'on les redirigeait vers des pages qui n'avaient pas forcément de rapport. Donc, toujours se dire, tiens, ma page, elle rank sur, j'en sais rien, sur Mercedes classe C. Si je renvoie mon URL vers une page qui rank sur contact, ça ne va pas le faire. C'est clair, ouvert Fiat Tipo. Donc, petit warning, on va juste faire gaffe aussi aux paramètres d'URL. Et puis, je voulais vous partager un tableau que j'ai fait, que j'ai anonymisé, un plan de redirection à peu près. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bah, voilà, j'ai mon tableau de redirection, donc j'ai mes anciennes URL, j'ai mes différentes typologies d'URL ici. Je vais ranger. Donc là, c'est un site qui vend des pneus où j'ai rangé des pneus par dimension, pneus par marque, etc. Donc là, je me suis fait des petits filtres hein, pour extraire parfois les dimensions, parfois les marques. C'était plus pour faire des recherches en termes de trafic. Ma Ouais. nouvelle URL. Je me note toujours, je zoome un peu, où est-ce que j'ai trouvé l'URL? Est-ce que je l'ai trouvé lors du crawl? Oui, non. Alors là, je n'ai pas mis le détail. Je l'ai enlevé, mais parfois, ce que je mets, c'est. Est-ce que je l'ai trouvé via Ahrefs? Est-ce que je l'ai trouvé via la Search Console, via Analytics? Et au fur et à mesure, ça me permet d'élaguer, de me dire, bon, ok, je n'ai pas à rediriger cette URL.
mais c'est une URL que j'ai trouvée dans la Search Console. Elle a généré zéro impression, zéro clic. C'est pas très très grave. Et donc, jusqu'ici, rien Alors, d'extra. zéro impression, zéro clic dans un délai de, enfin, dans une plage de combien? En général, je prends 6 mois à 1 an. Ah ouais, quand même. Ah d'accord. Ouais. Ouais, je prends trois Ouais, je suis mois, assez mais exhaustif. ouais. Je fais ça un peu avec finesse, mais je vois vraiment ça comme. Souvent, il y a Ouais, des. c'est du plan de redirection. Après, c'est pas du nettoyage. C'est vrai que. Non, non, là, c'est plan de redirection, mais je fais du nettoyage avant parce que je nettoie les 404 parce que commencer un plan de redirection. En fait, quand tu mets ton site en ligne, si tu n'as pas nettoyé tes 404, bah, tu ne vois pas tes nouvelles 404 issues Ouais. de ton truc. Donc, j'ai toujours mon petit ménage, mon petit ratissage. Et puis, pour y voir plus clair, je fais toujours un récap. Et le récap, il ressemble à ça. En gros, j'ai mes types d'URL. Donc là, j'ai récapitulé. Mon nombre d'URL, mon nombre de clics. Donc là, c'est des fonctions toutes bêtes, hein, des SOMSI, etc. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que je mets un petit graphe comme ça pour me dire le pourcentage de redirection traitée. Et du coup, c'est une répétition d'un caractère par rapport au pourcentage de trafic là, que j'ai fait avec la petite fonction Excel REPT, pour répétition, j'imagine. Ah, Et donc, t'es pas amateur des tableaux croisés dynamiques, toi, hein, je vois. ouais, j'aurais pu, c'est vrai. Ouais. Oui, tu as raison, j'aurais pu faire un tableau croisé dynamique, mais. Ouais, alors après, c'est chiant d'avoir rajouté exemple d'URL, tout ça, mais ok. Mais voilà, je savais pas avec ça. Et ce qui était intéressant, c'était justement de voir comment ça avance et de se dire, bah tiens, là, il en manque beaucoup et ça représente 40% du trafic, donc c'est un peu chaud, quoi. Puis voilà, j'ai juste mis une petite fonction ici pour dire combien il m'en manque. Ça me permet de voir où j'en suis. Et puis de prioriser surtout parce que parfois on se lance dans des plans de redirection. Enfin, j'ai déjà vu des gens se lancer dans des plans de redirection un peu tête baissée, À la main. sans le faire de façon prioritaire. Et du coup, à la fin, tu te retrouves, tu as redirigé 97% des URL, mais qui génèrent que 10% du trafic. Ouais, puis t'as plus le cœur à l'ouvrage, c'est t'as juste envie de t'essuyer le front au bout de la 30 000e. C'est clair. Donc voilà, ouais, je récupère de tout, hein. Je chope de partout, de Screaming Frog, la Search Console et compagnie. Et puis je les découpe en trois, il y a le page à page. Il y a tout ce qui va être dynamique quand on a des correspondances avec des IDs de catalogue où on peut faire des rewrite rules aussi dans certains cas, enfin bref. Et puis les URL qu'on ne redirige pas. Et ça, c'est un truc, une espèce de crainte commune contre les erreurs 404 en disant, oula, si tu as des 404, c'est pas bien. C'est comme quand je vois des. Alors, je suis désolé, hein, je ne dirais pas de nom, mais j'ai déjà vu des pré-audits de sites qui sont faits par d'autres gens qui disaient oulala, votre site a beaucoup de 404. Alors, ce n'est pas bien parce que ça envoie du jus, c'est sûr, vers des pages qui ne proposent pas de contenu. Mais quand on est sur un plan de redirection, si j'ai des 404, ce n'est pas extrêmement grave si c'est des URL qui n'ont jamais généré de trafic ou jamais généré d'impression. Et si c'est des URL qui ne sont plus maillées en interne? Ouais. Bah ouais, enfin, si elles sont plus maillées en interne sur le nouveau site, du coup. Voilà, parce que souvent dans les contenus éditoriaux, tu vas quand même avoir des URL qui sont redirigées, enfin qui sont dans le contenu et qui sont plus chiantes à update. C'est clair. Et j'ai toujours cet exemple de dire si tu enlèves dans un rayon de la FNAC, un rayon un peu obscur, personne ne va jamais. Si tu enlèves le livre là, qui est tout en bas à droite de l'étagère, que personne n'a jamais pris et acheté parce qu'il n'est pas visible, ça va pas péter le chiffre d'affaires de la FNAC. Voilà, donc C'est ça. toujours se dire, bah voilà, une 404, oui, c'est pas bien, mais ça dépend ce que c'est, quoi. Alors, un petit truc marrant. Alors on connaît le broken link building, hein, qui consiste à aller chercher à faire un export de Href ou de Majestic. Ou de Babar, d'outils comme ça, et de se dire, bah voilà, toutes ces URL, elles reçoivent des liens, je vais regarder si il n'y en a pas certaines qui répondent en 404 pour faire des 301. Bah, j'ai un petit quick win qui a été utile à quelques reprises, c'était d'analyser tous les liens, et parfois on se rend compte qu'on a des liens qui sont faits à l'externe vers des URL qui sont bloqués dans le fichier raw.txt, des URL de facettes, des URL avec des paramètres. Qu'on a bloqué dans raw.txt. Et donc là, bah, c'est dommage parce qu'au final, on reçoit un lien,
vers une URL qui est bloquée dans raw.txt. Et donc, on peut, bah, en fonction de ce que c'est et de l'intérêt que ça porte et du site source, mettre un hello juste sur une URL parce qu'elle reçoit un lien, et puis peut-être l'optimiser bah, pour faire en sorte de ranker un peu mieux ou de mettre une bonne canonical pour que le juste soit renvoyé. Ouais, très bonne pratique. C'est vrai que les liens cassés ne prennent pas en compte le robots.txt. Et ouais. Si je le fais jamais, c'est je le ferai. Merci. Alors ça marche pas toujours, hein, mais parfois on détecte des petits trucs sympas. Voilà, de se dire. Mais bon, tu prends la liste des URL qui sont pointées par les backlinks, et puis tu regardes, tu fais le comparo avec ton crawl, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Voilà le petit tips. Un petit focus sur les paramètres d'URL parce qu'ils nous cassent un peu la tête. Il faut voir que les URL accentuées, alors quand on est dans des rewrite rules, hein, tout ce qui est caractère encodé avec des pourcents, bah, il faut remplacer les pourcents par anti-slash x. C'est un tips de renard du désert, ça. Je galérais à faire des redirections, ça ne marchait pas. Et en fait, quand tu as des caractères accentués dans les rewrite rules, enfin encodés, pas accentués, pardon, bah, il faut remplacer les pourcents par anti-slash x. Et du coup, ta redirection, elle marche nickel après. Ouais. Ok. Pas de correspondance vers la home. Ça, j'ai eu un cas il y a quelques années. Alors peut-être que maintenant, ça a changé, il n'y aurait pas le même comportement. Mais j'ai un client pour lequel j'avais fait le plan de redirection de son site FR. J'ai envoyé le fichier. Il m'a dit, ah ok, c'est bon, j'ai vu comment tu as fait. Je vais m'occuper du site italien. Il s'est occupé du site italien, sauf qu'il n'est pas allé de façon suffisamment précise. Et toutes les URL qu'il ne savait pas rediriger, il les a mis en 301 vers la home. Et ben le nom de la marque, la page d'accueil s'est fait plomber sur la requête marque. Il est descendu en bas de première page uniquement parce qu'il avait fait un bulk 301 de plein d'URL vers sa home. C'est spammy comme signal. Je Exactement. le dis toujours, ça, les gens qui me disent, ah, mais on va tout remettre vers la home. Non, 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 faites pas ça. Vaut mieux pas rediriger dans ces cas-là. Et puis un petit rappel parce que Alors, attends. Ah, vas-y. Reviens sur ta slide, là, parce qu'elle est très intéressante par rapport à des mauvaises pratiques sur les domaines expirés. Il y a des gens qui rachètent des domaines expirés, et puis ben ils vont pas refaire tout le contenu. Et c'est des domaines expirés de domaines qui avaient beaucoup de pages. Et donc ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un plan de redirection justement à l'arrache en mode gros bourrin. Je redirige tout vers la home. Et les sous-domaines aussi vers la home de mon domaine principal. Et derrière ils viennent te dire ouais mais je comprends pas, ils remontent pas mon domaine expiré. Oui. Pourquoi c'est spammy? C'est justement pour ce genre de choses. Ah ouais, non, c'est clair. Puis il faut voir que ça fait comme une 301, ça fait comme un lien, quoi. Donc ça fait comme s'il y avait plein de liens d'un coup aussi. Ah ouais, non, mais puis même, je pense que il y a. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Ça donne des résultats monstrueux quand c'est avant de passer en pénalité algorithmique. Ça marche très fort. Et fut un temps, ça marchait très fort. Donc, il y a un moment, ils ont dit, oh là 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 là, stop. Et justement, hein, c'est même si c'est pas dans l'optique de faire du spam, ben c'est un signal spammy. Next. Next, allons-y. Toc. Ouais, donc là, entre les versions d'Apache, on n'a pas forcément le même comportement. Il faut savoir que, et ça, c'est un truc qui est hyper important. Quand vous faites une rewrite rule pour faire une redirection 301, si vous avez une chaîne de paramètres, par exemple point d'interrogation page égale 2, il sera recopié sur l'URL de destination par défaut. Il sera toujours transmis. Ça veut dire que si vous avez un site pour lequel la pagination est page égale et que le nouveau site c'est p égale, et bien vous allez vous retrouver avec des pages égales sur votre nouveau site. Donc pour supprimer la chaîne de paramètres lors d'une redirection, sur la version Apache 2.4, il faut mettre un flag qui s'appelle QSD, qui veut dire Query String Discard.
Et pour les versions 2.2 d'Apache et les versions précédentes, il faut juste mettre un point d'interrogation en vert sur l'URL de destination et ça va supprimer la query string. Donc là, si j'appelle l'URL slash catégorie et que l'URL requêtée, c'est slash catégorie point d'interrogation Toto, par exemple, si je ne mets pas ce petit point d'interrogation-là, je vais me retrouver avec nouvelle catégorie point d'interrogation Toto. Ok. Ah, c'est souvent un truc qui passe à la trappe. Et d'ailleurs, un autre élément qui passe à la trappe aussi, c'est que les redirect et redirect match, donc qui sont les redirections standards d'Apache, ne prennent pas en compte les query strings. Ça veut dire que quand, et c'est un gros problème parce que quand tu fournis un plan de redirection où tu mets ancienne URL, nouvelle URL, et que dedans tu as tes paramètres et que le dev il fait juste un copier-coller de ce que tu lui as donné, il n'en sait rien, il prend le truc, etc. Le dev ou la personne de l'IT qui n'a pas fait gaffe aux paramètres d'URL, ben en fait, tu te retrouves avec plein de règles qui ne marchent pas parce qu'il y a des query strings dans les redirects et les redirect match et Apache n'en tient pas compte. Quand vous avez des paramètres d'URL et que vous les redirigez en fonction des paramètres d'URL, il faut utiliser les conditions avec rewrite-from. Voilà. Ben, c'est un peu le truc tortueux, mais quand on en a beaucoup des paramètres d'URL, ben, faut faire le ménage pour pas qu'ils se recopient. Et puis quand on fait des redirections en fonction des paramètres d'URL, bah c'est pareil, il faut utiliser rewrite-com. Et je pense typiquement aux gens qui ont de la pub print avec des URL, avec des UTM. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ah, mais notre campagne, elle marche plus. Non, non, c'est pas qu'elle marche plus. Enfin, si. Après, j'avais prévu de faire une petite démo, mais ça va être long, mais de vous montrer un peu les redirections. Mais au moins, je pense que c'est suffisamment clair et explicite sur cette image. Et un autre petit warning aussi, quand on a des redirections, il faut bien penser, et ça, j'en ai fait les frais une fois, bien penser à conserver les règles de l'ancien fichier raw.txt de l'ancien site. Pourquoi Google, il a dans sa liste d'URL à visiter tout un tas d'URL pour lequel il est bloqué, il n'a pas le droit d'aller. Si vous mettez directement le raw.txt du nouveau site sans récupérer les anciennes règles, bah, il va avoir plein d'URL qu'il n'avait pas le droit d'aller visiter, qu'il peut aller visiter du jour au lendemain. Et du coup, bah, c'est un peu la foire au 404. Et éviter aussi les doubles redirections dans ce cas-là. Aussi, ouais, c'est clair. Mes petits 301, 301, ouais. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai quand même déjà constaté que des fois, il récupère une base de données de sortie de 3 000 km sous la Terre, tu sais pas d'où ils la sortent, et puis tu te retrouves avec des URL qui datent d'il y a 1 000 ans. Donc quand on pose toujours la question, parce qu'elle vient toujours, oui, mais on récupère celui de avant migration, oui. Eh ben, t'as bien fait l'enchaînement et c'est super bien que tu le soulignes parce que je l'ai vu aussi. J'ai vu Google se taper des tripes sur d'anciennes URL d'un forum où tout d'un coup, des URL plumaillées, etc. Hop, il se lance un petit trip et il se fait une petite petit scan quoi, pour peut-être un petit check-up, je sais pas, se dire tiens, peut-être qu'elles sont vues, etc. Je sais pas, je me demande. Des fois, je me demande s'ils vont pas récupérer des backups pourris. Je sais pas. Donc voilà, c'est pour ça que le raw.txt, c'est bien de conserver les anciennes règles pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Et ben, on avance pas mal. Et puis juste pour finir, je voulais qu'on parle un peu de webperf. Puis après, je vais laisser les gens reprendre une activité normale quand même. Ce dont tu vas parler d'ailleurs, Webperf, le 16 décembre à Lyon. Exactement. Ouais, ben, ce sera sur justement les découvertes que j'ai faites entre le SEO, les serveurs web. Les histoires de crawl budget ou pas, les histoires de TTFB dues à des mauvaises configs d'Apache. Donc, ouais, je rentrerai un peu plus dans les détails de tous ces trucs-là. Et alors, pour commencer, je voulais vous montrer des trucs qui sont hyper cool Chrome DevTools. Il y a un compte d'ailleurs
YouTube où ils publient régulièrement des vidéos de leurs nouvelles fonctionnalités. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder toutes les petites astuces qu'il y a dans Chrome DevTools qu'on ne connaît pas forcément. On a peut-être que vous connaissez. Hein. Alors, il y en a une qui est rigolote. Je crois que on avait échangé dessus. C'est hyper pratique pour montrer ce à quoi vous voudriez qu'un site ressemble à vos clients ou faire des. Qu'on puisse se projeter sur la SERP avant, après, avec un changement de texte. Si vous allez dans la console, vous pouvez taper document.designmode mode. Voilà, c'est ça. Document.designmode. Et vous mettez égal on entre guillemets. Et là, il suffit juste de taper Enter et vous pouvez faire ce que vous voulez dans la page de notre ami. Vous pouvez supprimer des bouts de texte, vous pouvez supprimer des boutons, les changer, enlever des petits bouts de texte comme ça. Et donc, bah, ça permet tout simplement de faire des démos de ce à quoi on préférait que la page ressemble, ou que c'est un mode d'édition dans Chrome. Qui est assez pratique. Puis de la même manière, sur les. Alors là, je l'ai enlevé, mais quand on est sur les feuilles de style, par exemple sur le bouton, là, si je veux montrer à mon client ce que ça donne en changeant de couleur, bah, j'ai un petit color picker ici. Hop. Je montre ce que ça donnerait le bouton en vert, en blanc, etc. Donc voilà, document.design mode et ou mode design égale on. Et ça vous permet de faire de l'édition. Donc pareil, dans le toujours rigolo de montrer ce à quoi on aspire en termes de title et de métadescription au client. Regardez, vous êtes premier. Ouais. Ah non, mais chez moi, vous êtes premier. Et moi, vous êtes premier. Alors, il y a un truc qui est. On va voir si ça le fait avec ton site, Fred. Il y a un truc qui est très chouette, qui est un onglet qu'il faut aller chercher un peu loin, ici. Qui s'appelle Layers. Donc là, vous cliquez sur les trois petits points, vous faites More Tools, et là, vous avez un onglet Layers. Et ce qui est hyper bien, c'est que ça permet de se rendre compte qu'une page web, bah, ce n'est pas juste une partie visible à l'écran, c'est tout un tas de choses. Et donc, ça, sur les sites qui ont des carrousels, il faudrait que j'aille sur un site où il y a un gros carrousel, je sais pas, peut-être sur yahoo.fr. En gros, on voit parfois les divs qui sont chargés et qui font des... Là, je n'ai pas l'exemple. Tiens, t'as vu, c'est rigolo, il y en a un qui est rouge là, je pense que c'est une pub. Tiens, Ouais. t'as vu? Un petit clin d'œil à notre cher Dobroslav Capek, qui nous a fait un live où il nous a expliqué justement des différents outils de zoning qui développait, enfin, qu'il utilisait pour ses devs, et qu'il utilisait pour pondérer la transmission du PageRank en mode surfeur raisonnable. Donc il était en mode je réinvente le surfeur raisonnable justement en utilisant des systèmes de zoning de ce type-là. Et c'est intéressant. Et alors là, le truc qui est chouette, c'est que ben, en HTML, les divs ils peuvent être superposés, il y a des index. Et donc, on peut voir. Alors là, il n'y en a pas beaucoup sur cette page. Il faudrait que je trouve un bon site. On n'a pas un bon site français là qui met de la pub, Le qui met. Figaro, n'importe quel journal. 20 minutes. J'aimerais bien vraiment vous montrer. Je trouve ça super bien pour expliquer justement le fait que potentiellement tu charges un carrousel avec plein d'images qui n'est pas forcément visible à l'écran. Je ne sais pas ce qu'il galère un peu avec le site. Ah bah sinon tu peux peut-être prendre Airbnb ou ouais Airbnb après ça va vite mais J'ai peut-être un peu trop zoomé. Je l'affiche en mode mobile. Voilà.
Voilà, donc là on voit le petit, exactement ce que je voulais montrer. On voit qu'il y a des éléments qui sont chargés, qui sont pas forcément. Alors à vérifier si ils sont bien les îlodés ou pas. Et ce qui est assez fun, c'est qu'on peut voir justement ce système de calque et de superposition, parce qu'il y a un petit mode 3D Ah, bleu. yeah. Ouais, alors là, c'est vraiment. Donc là, on voit les couches de calque Ok. qui se... Bon, c'est rigolo, mais c'est pour pas oublier qu'un site, c'est des calques qui se superposent et puis qui se chargent un peu en bas de l'écran. Et donc là, c'était plus pour l'aspect ludique, mais aussi lazy loading et iceberg que je voulais vous montrer ce petit layer. Et puis pour les développeurs, Z-Index qui nous fait souvent des misères, hein, ça peut être intéressant d'avoir Aussi, ça. ouais, carrément de voir la superposition. Ouais. Sur la partie donc c'est pas performance, je voulais vous montrer, c'est la partie inspecter. On a la fonction qui s'appelle Show Coverage. Donc là, si vous connaissez pas, vous faites dans la console, vous faites Ctrl Shift P. Et vous, là, il suffit de taper Coverage. Et donc là, on va voir sur la page web en question tous les fichiers JS et CSS qui sont chargés. C'est intéressant parce qu'on voit justement qu'il y a parfois des fichiers qui sont chargés en entier, mais il n'y a que 5% du fichier qui est utilisé. Donc ça, c'est un premier point. Il faut faire très attention à cet outil. Pourquoi? Parce que là, j'ai la vision en mode desktop. Mais si je me mets comme ça. Mais si je passe en mode mobile, là, je peux avoir un fichier qui est utilisé à 94,11%. Si je passe en mode mobile, peut-être qu'il est utilisé à 96%. Donc, on n'a pas les mêmes résultats entre desktop et mobile, donc ça dépend du contexte. Il ne faut pas prendre les données au pied de la lettre non plus, parce que je crois que quand on appelle des feuilles de style via import, et ben l'outil les voit pas, c'est-à-dire qu'il dit que tiens tel fichier CSS est complètement utilisé et pas du tout utilisé pardon et au final si vous le supprimez bah, le site marche plus du tout et complètement déglingué, il n'y a plus de CSS. Ouais, bon, de toute façon, en préco SEO, on se lance jamais là-dedans, personne ne veut jamais les appliquer, donc. Alors après c'est il y a un petit check qui est sympa à faire, c'est de se dire bah tiens alors bon, là c'est pas le cas mais si j'ai ce fichier CSS, je pourrais me dire, tiens, il est, imaginons qu'il est inutilisé à 100%. Je peux faire un clic droit dessus. Et normalement, ah oui, non, c'est dans l'onglet Network, pardon. Donc j'ai DLS Lead Serial. Je vais dans l'onglet Network. Je le recherche. CSS. Il était tout en haut. Donc c'est celui-là. Et ce que je peux faire, c'est bloquer cette URL. Donc je vais bloquer l'URL en question. Donc, je fais un clic droit dessus dans l'onglet Network. Je bloque l'URL. Et pour vérifier que ce fichier est bien inutilisé à 100%, bah, je rafraîchis la page. Et du coup, là, je vois si tout est cassé. Bah, ça veut dire qu'en réalité, l'outil de Chrome a dit des bêtises parce que le Ouais. fichier est bien, nécessaire. Ouais, c'est assez pratique, de passer par là pour faire différents trucs. Et puis, on a l'onglet, Performance en termes de web perf, qui est relativement pratique, dans lequel on peut sélectionner les Core Web Vitals maintenant. Ce n'était pas le cas il y a quelques temps. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'il va préciser à quel endroit on a du layout shift, par exemple, où on a du mouvement. Et on va pouvoir connaître le div concerné. Quel est le div qui a Ouais. créé du layout? Ok. C'est très Bon, cool. layout shift, pour ceux qui se poseraient la question, c'est quand vous êtes prêt à cliquer sur un lien, vous cliquez sur le lien, mais il y a un truc qui est apparu juste au-dessus qui a tout décalé et au final, vous ne cliquez pas sur le lien, vous cliquez sur la pub. Hein. Il y a des petits coquins qui sont très très habitués de ce genre de pratique. Et au final, ben ouais, leur pubs, elles sont vachement cliquées. Bon, peut-être que c'est involontaire, hein. Alors là, j'en ai pas forcément sur cette page, le layout shift, mais en gros, ça va se présenter ici, dans la partie Web Vitals. Et donc, ce sera noté en rouge, il y aura écrit LS, et juste en cliquant dessus, bah, il vous survole le div qui a provoqué du layout shift. Ah, ça, c'est cool, ouais. Il y a un autre moyen de visualiser un peu toutes ces choses-là.
C'est dans l'outil, c'est dans l'onglet rendering. Alors, pareil, il faut un peu le creuser. Hein. Il y a tellement de choses qui sont possibles là-dedans qu'il faut y passer des journées entières pour découvrir les nouvelles fonctionnalités. Et donc, dans More Tools, je vais y arriver, rendering, on a des petites cases à cocher. Et notamment, il y a Paint Flashing. Donc là, c'est les éléments qui apparaissent en mode flash, mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est Layout Shift Region. Et là, si je le coche, quand je vais charger ma page, bah, il va me montrer là où j'ai des layouts. Donc, je vais essayer sur mon site, je ne sais pas si. Bon, je pense pas. Faut aller sur un gros site, pas tant sur Yahoo, il devrait y avoir du Ouais, bon. c'est ce que j'allais dire. Yahoo, c'est peut-être pas mal. Hein. Là, j'ai coché la case, on va voir s'il y a quelque chose. Hop, j'ai eu du bleu là-dessus, j'ai eu du shift. Donc c'est potentiellement parce qu'il y a eu un changement de police, un changement de fonte. Il faut savoir que on peut quand vous appelez des fontes sur Google ou des choses comme ça, c'est des fichiers à télécharger. Parfois, ça prend un petit peu de temps. Et tant que le fichier n'est pas chargé, vous pouvez choisir d'afficher une police par défaut. Mais si la police par défaut n'a pas tout à fait la même taille que la police Google Fonts ou autre que vous utilisez, bah, quand la police va finalement charger, ça va créer du layout shift. Donc il y a pas mal d'options là-dessus. Il y a notamment un site dont je vous retrouverai le lien quelque part. Je l'ai peut-être mis juste après, derrière. Ah bah, je l'ai mis juste ici, voilà. Toc. Je sais pas dans quelle fenêtre il va me l'ouvrir. Voilà, dernière utilisée. Voilà. Et donc là, vous mettez votre fonte. Donc là, on peut choisir, j'en sais rien, Calibri, par exemple. Calis, voilà. La fonte de fallback. Et je vois, en bas, j'ai mon exemple. Et du coup, je regarde un petit peu... Bah, quels sont les réglages à faire pour que elles se ressemblent l'une l'autre, quoi. Donc ça, Ok. c'est justement qui m'avait Qu'elles montré ce prennent truc. la même place, quoi, ouais. Hyper pratique pour les devs en tout cas. Parce que faut bien se dire un truc, c'est que les recos qu'on a dans tous ces outils-là, elles sont très mignonnes, mais elles sont parfois très dures à mettre en place. Ah, autre truc qui est très utile sur les CSS, pardon, j'ai oublié, c'est une extension Chrome qui s'appelle CSS used. Et là, cette extension, elle vous permet bah, justement d'extraire les CSS qui sont utiles ou pas utiles sur une page web. Et on la trouve normalement, toc, la partie Elements ici. Ah bah non, j'ai pas dû la mettre dans ça doit être dans mon navigateur pro que je l'ai, dans mon autre profil. Et pareil, en fait, cette petite extension, c'est l'une des plus efficaces que j'ai trouvées. Elle vous génère un fichier CSS avec tous les CSS qui sont utilisés dans la page sur laquelle vous êtes. Et vous pouvez lancer une visualisation de la page avec ce fichier CSS justement rétréci et voir si ça marche bien et si c'est clean. Ah ben voilà, il est là, pardon, Ouais, CSS. alors attention à tout ce qui va être pop-over, etc. Parce que ben forcément, ça peut poser des problèmes. Alors, ouais, Après, non, carrément, non, c'est jamais parfait, hein, il y c'est a quand sûr. même quelque chose en pré-prod hein, qui est de plus en plus utilisé. Et il y a un plugin VS Code d'ailleurs qui est très bien foutu. Je ne sais plus le nom, mais ça se retrouve rapidement. Qui permet directement, quand tu codes, ton HTML de voir tes CSS qui sont pas utilisés. Ah, c'est canon, ça. C'est ça qu'il faut. T'as dit c'est où qu'on trouve ça? C'est un plugin VS Code. D'accord. Mais VS Code, de toute façon, tout le monde est en train de converger vers ça. C'est clairement la Rolls gratuite, quoi. Et en plus, c'est multiplateforme. Donc là, pour tester la démo, on peut faire une preview et on voit que ça n'a pas du tout marché. Donc c'est pas si bien que ça. Non, mais pour en avoir testé plusieurs, c'était celui qui était le plus proche de la réalité, en tout cas. Donc, ça peut valoir le coup. Et puis, il y a aussi un plugin de bah, notre ami, là, Amit Awargal, dont je parlais au début, qui permet de suivre les Core Web Vitals de façon quotidienne dans Google Sheets.
Ok. Là, si vous... Ah. On peut le faire avec Screaming Frog aussi, hein, si jamais. Labneul. Et ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si j'ai la feuille Google Sheets qui est ouverte quelque part. Je pense que oui. Ouais, tout à gauche, tout à gauche. Non, non, c'était une autre. Ah. C'était pas le même nom. Attends, c'est pas grave, je vais vous la... Ah ben elle est là, voilà. Ça, c'est les liens que je vais vous partager. Et donc, il y a Core Web Vitals. Voilà, c'est ça. Et bon, là, j'ai masqué les URL hein, pour pas que vous les voyez. Mais en gros, sur chaque ligne, on met des URL et on met un nom de feuille Google Sheets. Et donc, là, vous voyez que j'ai créé pour le site en question bah, un onglet par URL testé. Et donc, là, c'est Google Sheets qui fait du... Ce n'est pas des données réelles utilisateurs, hein, c'est du synthétique monitoring. Ça veut dire que c'est Google Sheets qui requête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les data dans le temps qui sont enregistrées bah, tous les jours. Donc, je vois l'évolution de mes KPI. Donc, je vois que le FCP, bah, on a réussi à le faire baisser. Ouais, t'as une courbe en plus, ouais. Faut juste regarder la première et la... Parce que parfois, l'échelle est très... j'en sais rien, si tu passes de 3100 à 2700, bah peut-être tu vas avoir l'impression que ça descend beaucoup, alors que Ouais. c'est pas beaucoup que ça. Mais ça donne une idée du trend, et c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'on a vu que des optimisations qui avaient été faites sur desktop, bah, à l'inverse, sur mobile, ça avait plombé des trucs, quoi. Ça avait plombé le FID. Enfin, alors là, je sais plus si c'était sur cette page-là. On a vu que parfois, bah, en améliorant d'un côté, tu cassais un autre truc. Et donc, ça, pareil, hein, c'est toujours Google Sheets. Tu lances le truc une fois, tu le copies dans ton compte, et puis bah, automatiquement, tous les jours, il va te faire tes requêtes. Tu sais même plus que ça tourne, et puis un jour, tu retombes dessus, et tu dis, waouh, ça n'a pas beaucoup progressé, ou inversement, ça a pas mal progressé. Voilà pour encore une petite astuce qui fait plaisir. Et puis, bah, pour finir, ce que je voulais dire, c'est que les recos qu'on voit là dans PageSpeed Insight, elles sont très très bien, mais on en rigolait l'autre fois avec Benoît. Il y en a certaines qui ne sont pas du tout implémentables et c'est ça la difficulté. Ouais. Autant des trucs qui peuvent être hyper quick win, Ouais. notamment sur les images, les e-loading, par exemple, les players YouTube. Encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui mettent de sites hein, qui mettent des players YouTube sur leur page d'accueil en bas, genre la démo de nos services et tout. Bah, il y a plein de scripts qui permettent de faire du lazy loading sur le player de YouTube directement, parce que ne serait-ce que le player, il charge lui-même CJS, CCSS, et on ne va pas forcément les voir, quoi. Donc il y a Ouais, des... les avis aussi. Les... Les avis. Ah oui, ouais, aussi, ouais. Bah, tous ces trucs qui sont le widget Facebook, la page Facebook, là, le nombre d'abonnés qu'on a sur notre page Facebook, là, le petit bloc qu'on met avec... On voit les petites photos de profil des derniers abonnés. Oh, ce truc-là, ça pèse 800 kilo-octets, je crois. C'est abominable. Ah ouais, non, mais puis après, il faut voir le nombre de requêtes que ça fait en différé, en asynchrone aussi, hein. Facebook, c'est les pros. Ils te chargent carrément un réseau local à eux tout seuls. Ah ben, y a un outil qui est très sympa, justement, que j'ai oublié de mentionner, que je vais vous retrouver. Il est disponible hein, sur Webpage Test, mais vous pouvez l'appeler directement comme ça. Et en gros, vous mettez une URL. Un site, tiens, il y a 20 minutes qui doit appeler plein de trucs externes. Oh oui. Allez, qu'est-ce qu'on a en Europe où il y a de la dispo? Des pending tests. Ah, mais tout le monde teste à cette heure-là, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, je vais faire un test d'un autre pays. Tiens, au Japon. On va regarder, on va voir ce que ça donne. Et donc cet outil-là, bah justement, c'est par rapport à toutes les ressources tierces qui sont appelées sur une page. Ça permet de voir les noms de domaines externes qui sont appelés et la taille des ressources. Et en fait, on le visualise sous la forme d'une carte visuelle. C'est hyper bien. Parfois, vous avez des personnes qui pensent que ce sont tout ce qui est tiers, la pub, Criteo, ou ces trucs-là qui génèrent des requêtes et des ralentissements en termes de temps de chargement. Bah, parfois, pas du tout. C'est d'autres trucs qu'on ne suppose pas, qui sont encore appelés, qui sont plus utilisés. Et donc, cette visualisation-là sur cet outil, requestmap.webperf.tools, je vous mets l'URL dans le chat.
Il y avait un outil local aussi hein, qui faisait ça, mais je l'ai plus, je sais plus ce que c'est. Avec une Il y a une espèce de extension pieuvre, peut-être je qui s'installait crois. aussi. Ouais. Attends, je vais balancer ton URL. Comment je fais pour copier? Je peux pas. Ah. Ah, mon webpage test. Bon, alors sinon, il faut le lancer directement de webpage test. Je Mais le juste balance dans YouTube. à quoi ça ressemble. Peut-être on a des petites captures d'écran sur Google Images. Voilà, ça vous fait l'outil, en gros, il vous sort une représentation comme ça. Donc là, c'est la misère, là. Là, c'est le site de la misère, là. Tiens, si on ouvre cette image un peu en grand, dans un nouvel onglet. Voilà, on voit. Alors, il essaye de les catégoriser. Est-ce que c'est de la pub? Est-ce que c'est un CDN, etc. Donc là, la page d'accueil, en général, c'est le rond un petit peu central. Et puis, bah, on voit dès qu'il sort vers un domaine, bah, ça change de couleur. Les flèches, c'est les liens. Et la taille du rond, bah, c'est le poids de la ressource. Et donc, vous vous rendez compte parfois que vous appelez YouTube et YouTube lui-même appelle un autre service. Et donc, ça va de site en site. Et puis, bah, ça ralentit l'exécution du JS. Votre chargement. Donc voilà un dernier petit tool pratique qui est dispo sur Webpage Test aussi. Webpage Test qui a fait plein de changements sympas ces derniers temps et qui reste un très très bon outil. Ouais, clairement. Et ben voilà, je crois que j'ai fini, hein, mon ami Fred. Bravo, bravo, merci. Je pense que tu as économisé beaucoup de temps à beaucoup de gens, mis à l'échelle d'une année. Hein, c'est plein de petits trucs, mais c'est pas rien. Et à chaque fois qu'on peut, sur des tâches répétitives tout au long de l'année, qu'on fait tout le temps, gagner quelques minutes, eh ben c'est faut le faire tout le temps. Moi, je pense tout le temps comme ça, en fait. Et clairement, tu nous as apporté beaucoup de ces tips qui sont des hacks de productivité, quoi. Bon bah cool. Donc, J'espère que ça va être utile. grand Il me reste merci. plus qu'à faire un petit fichier Excel qui récapitule tout ça. Ouais, ben, ce sera utile que à ceux qui auront eu le courage d'écouter et qui auront surtout le courage d'appliquer. Parce que on se dit que ça change nos habitudes, blablabla. Et au final, on s'y met pas. Sauf que ben, finalement, on perd du temps de ne pas s'y mettre et c'est dommage. Mais c'est la pratique la plus couramment appliquée, évidemment. Il y a Triple A TV qui te dit franchement merci, plein de tips techniques au top. Tu as David Bardi qui dit c'est vraiment ça en fait, le tip c'est l'inspecteur gadget du SEO. Hallucinant le nombre de tips. Julien Gourdon qui dit bien joué, Emric, et merci. Voilà. Donc tous les courageux qui sont encore là, il y en a 26 de ce que je peux en voir. Bah écoutez, voilà, et puis tous les autres qui ont dû aller chercher leur gosse ou aller faire un 4 heures, de toute façon, ils regarderont en replay. Et je t'ai déjà mis depuis tout à l'heure un tweet pour te rappeler que si tu veux partager des trucs, tu peux te raccrocher à ça. Il y a Chris Jaouen qui dit top les tips, je suis bon pour me la repasser encore. Bah voilà, hein. Gabigo qui dit très intéressant, merci. Eric Marvillier qui dit merci. Contrôle O2, un grand merci. Manu Cébrian, yes, bien précis, cool Ah, Emric. salut. David Bardi qui redit encore merci Emric pour le partage. Et moi, j'en rajoute aussi. Merci Emric pour le partage. Tu restes avec nous pour clore cet après-midi SEO? Carrément. Eh ben allez, J'écoute la suite. où c'est que j'ai mis mon truc? Il est là. C'est vrai qu'on a un peu dépassé, on a dû perdre quelques personnes en cours de Ouais, route. on s'en fout, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire de l'audimat. Hein. les applaudissements, si vous voulez les faire, c'est pas sur YouTube. Alors vous pouvez spammer le chat, spammer les chats là. Allez, go, go, go. Envoyez-moi plein d'émoticônes de tous les bouts là. Je propose toujours du coaching SEO sur mesure pour ceux que ça peut intéresser. 120 € hors taxes de l'heure si vous avez besoin de profiter de mon XP. Voilà, je partage
Sans restriction, si vous avez besoin que je vous partage aussi des méthodos, des documents, des templates de documents, etc., n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez qu'on travaille votre méthodologie de travail, on peut aussi faire ça. Et puis, bah, si vous avez un petit problème que vous n'arrivez pas à résoudre, n'hésitez pas non plus. La semaine prochaine, on a Thomas Léonetti qui va venir nous parler intention de recherche. Jérôme Pasquelin, oui, t'as loupé une partie, mais c'est pas grave, il y a un replay pour ça qui sera disponible directement une fois qu'on aura bouclé cette session. C'est tous les mardis à 15h, donc voilà, mardi prochain, puis après ce sera les vacances, et après on reprendra au mois de janvier. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous fais des bisous à tous. Un grand merci encore à toi, Emeric. Merci pour l'invite, c'était cool. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, ben, de toute façon, hein, probablement qu'on s'en refera une. Ton sujet de intelligence, je sais pas quoi là. Open source intelligence. Open source intelligence m'a bien donné envie de creuser ça. Ça me paraît méga intéressant. Tu vas voir, il y a des choses. Ouais. On pourra peut-être se faire un petit live là-dessus. Ça pourrait être cool. Je vous fais des gros bisous les amis, à mardi prochain et portez-vous bien. À ciao, ciao, ciao. Bye bye.